Hello, bienvenue à tous dans le Twitch de Marmiton. Alors aujourd'hui, on est sur un live solidaire et pour soutenir l'association Aide dans la lutte contre le sida, je vais animer aux côtés d'une invitée très spéciale, Valérie Damidou. Oui, très spéciale. Oh, quand même. Hein, on est là, ça fait plaisir, merci d'être là, ça fait plaisir, allez. Et alors là, aujourd'hui, on est sur des retêtes croustillantes et on est là à l'occasion de l'événement Faites l'amour, ok? Un événement qui a lieu chaque année pour dire oui à l'amour et non au sida. Une collecte de dons a été lancée pour la lutte contre le sida. Donc aujourd'hui, les amis, on compte sur vous pour faire des dons pour l'association. Alors on est parti justement sur cette thématique de recettes croustillantes. Attention, le défi, on fait des recettes croustillantes parce que l'objectif, c'est de faire des recettes pour briller sur une dette. Parce que c'est l'essentiel. L'essentiel, ah ouais, ouais, parce que la finalité quand même. C'est pécho. Ah voilà, on est d'accord. Donc pour pécho, vaut mieux avoir deux bonnes recettes. Et alors justement, tu m'as fait une proposition de recettes, même deux. Ouais. Voilà. Alors attention, il y a eu des changements entre au milieu de la route et tout ça, parce que tu as relevé le challenge. Mon challenge, c'était de rendre tes recettes ultra croustillantes. Ouais, moi j'étais partie sur un truc un peu genre ambiance poulet aux olives citron. On m'a dit non, c'est pas croustillant. J'ai fait ah putain. Bon, ouais. Bah là, je me suis lancée dans un truc que j'ai jamais fait. Là, c'est un double challenge, je te le dis, je l'ai jamais fait. Allez, on est bon, on est bon. Alors du coup, on est sur deux recettes. Donc on est sur un poulet croustillant et on est sur des crumbles. Des crumbles ultra croustillants. Attends, attention, il y a des propositions, il y a des trucs qui vont arriver. Ouais, il y a des petits trucs, tu me diras. J'ai l'impression que tu touches un peu ta vie en cuisine. Ouais, on peut dire que je touche un peu ma vie. Je cuisine, je suis un amateur éclairé, je suis pas un chef, mais en tout cas, on aime bouffer. Et ça, ça fait plaisir. Bon, bah, est-ce que ça te va? Moi, ça me va. En tout cas, merci, merci d'être là. Pourquoi tu veux qu'on commence? Bah, je pense qu'on va commencer par le crumble, rapport à la chaleur. Allez, ouais, parce qu'il fait chaud quand même, on est d'accord. Voilà, donc l'idée, on coupe les pommes. Ouais. On enlève la peau, on enlève les pépins, on enlève la petite queue moche là. Yes. Ok. Et on va les mettre au four, dans un plat qui va aller au four. Ok. Dans un deuxième temps, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu veux qu'on préchauffe le four? Ouais, c'est bien. Oh, tu vois, quand je dis qu'il touche sa vie en cuisine. Attends, attends, on est là. Quoi. En tout cas, Théo Boss Gamer, bienvenue à toi. Eh, ça fait plaisir. Alors attendez, je vous ai pas vu. Je dis bonjour à tout le monde parce que si vous connaissez la chanson de Val, on veut pas d'ennui ici. Et du coup, je dis bonjour à Don Ao. Bienvenue à toi, je dis bonjour à The Boss Gamer, welcome, bienvenue sur le Twitch de Marmiton et je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Alors aujourd'hui, je me suis dit, ouais, je me suis dit, va falloir que je sois quand même en forme parce que quand je t'ai eu en visio, je me suis dit, ok, c'était pas du mytho. Ce qui se passait dans tes émissions, l'énergie est là, quoi. Bah, l'énergie est là, puis surtout pour ce qu'il s'agit de faire de la bouffe, ouais, rapport à dans la vie. Moi, j'ai une règle, la règle des 3B, hein, boire, bouffer, baiser. Voilà. Allez, 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 c'est dit, chacun. Wow, son ok, truc. D'accord. Donc, non, parce c'était mon mathématique. La fête de l'amour, ouais, fête d'amour, ouais, la cuisine. Pour l'amour, tout ça, bon. Ouais. Emog, salut à toi, bienvenue. Est-ce que vous validez la règle des 3B? En tout cas, les amis, on compte sur vous. Personne ne peut pas valider cette règle. Oui, 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 on est d'accord, on est d'accord. Tu vois? On dit, ouais, on est un peu sur des préliminaires, quoi, un peu. Bah, on est sur... Bah, la cuisine, c'est les préliminaires de l'amour. Oui, on est là-dessus, sur les préliminaires. Vrai. Non, mais c'est totalement vrai. Oui. C'est totalement vrai. Alors, les amis... Je vais pas vous laisser tranquille comme ça, hein, parce que va y avoir des animations, enfin, va y avoir une interaction, un autre quiz. Il y aura un petit quiz pour toi, gentil. Hein. T'as été sympa? Ouais, j'ai été sympa parce qu'il fallait que j'évalue ton niveau de détente par rapport à la question. Ouais. Je suis détente, hein. Ah ouais, on franchement. On peut y aller, hein, sur les questions. Allez, là, du coup, c'est bon, on est paré pour le lancement. Ça, il n'y a pas de problème. Je valide. Madagirl, bonjour, de la Martinique. Ah ouais, putain, il doit faire... Voilà. Il doit faire un temps à la Martinique. Ouais, ouais, parce que ici, on crève de chaud. Ouais, par rapport aux semaines précédentes, j'avoue que là, on est quand même pas mal. Mais les Parisiens se plaignent tout le temps. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Ouais, c'est la règle, c'est la règle. Parisien. Sinon, t'es pas parisien. Alors, je t'ai mis une poubelle de table, là, quand même. Voilà, parce que, ouais, pour que t'aies de la place, ouais, je veux pas. Non, je veux hyper organisé. Je veux pas t'interrompre. Ouais, j'essaie de m'organiser quand même. Non, mais tu sais, on minimise vachement les mecs qui cuisinent. Ah. Je sais que les mecs, pendant très longtemps, et encore maintenant,
Il y a plein de mecs qui cuisinent pas parce que ouais, c'est un truc de meuf. Ouais. Et les gars, c'est tellement sexy un mec qui cuisine. La place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est une phrase qui date. Mais qui se poursuit, je te le dis. Ah oui, ah d'accord. Ça, on est plus sur une aventure personnelle là. Donc non, là... non, pas du tout. Mon mec cuisine et tout. J'ai pas de problème avec ça. Okay. Mais je connais beaucoup de mecs qui disent ouais, c'est un truc de meuf. Vraiment. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des mecs qui cuisinent dans le spot ouais. Faites-nous plaisir. Il est où le lien pour donner, les amis. Alors le lien pour donner, eh bien il est. Où est le lien pour donner? Le lien pour donner, il va être sur le chat. Sur le chat, les amis, on va vous mettre le lien sur le chat et vous allez pouvoir cliquer directement dessus, bim bam boum. Putain, il y a deux écoles. Ouais. Tu vois, toi, tu pèles ta pomme ouais. de façon comme ça. D'accord. Genre, la pomme est entière. Ouais. Moi, je coupe tout et je... Et tu pèles. Donc, en fait, tu gagnes du temps. Moi, j'estime... plus organisé que moi. Sa technique est meilleure. Moi, je ne te juge pas. Je ne me permettrai pas. Moi, je me juge toute seule. Ouais, alors après tout ce que j'ai vu au niveau des améliorations que tu es capable de faire, je ne te juge pas. Mais que tu es mignon. Parce que quand même, ouais, on peut dire que tu es dans la place là-dessus. On est en tropical en ce moment. Ah ouais, carrément. Donc pas mal de pluie, mais les... Ah oui, toujours pas aussi mal de chaud, pluie, ouais. 30 degrés. 28-30 degrés, ok. Bah, je crois que ce week-end, on est parti pour vous dépasser là sur Paris. Sur la France, je pense, on va toucher. Sur Paris, il fait normalement, demain, il fait 30... Non, samedi, il fait 37 degrés. Ouais. Ça va être super. Ça va être plutôt pas mal. Salut, Léopold l'artiste. Welcome, j'espère que tu vas bien. Les amis, n'hésitez pas. Là, c'est le moment, il faut faire des dons. Là. On est là pour la bonne cause. Ouais, on y va. On est là pour l'association Aide. Du coup, les amis, alors... Je vous dis quand même ce que c'est l'association Aide, hein, on se donne un peu d'infos. L'association de lutte contre le VIH, SIDA et les hépatites virales en France et en Europe. Comme ça. Ça, au moins, c'est clair. Alors, ouais, parce que je rappelle que quand même, c'est un live caritatif pour soutenir l'association Aide et la lutte contre le SIDA. N'hésitez pas à envoyer donc vos dons pour cette belle cause. Tous les dons sont reversés intégralement à l'association Aide. Oui, parce que je sais que beaucoup, peut-être que ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais il y a plein de gens qui pensent que le sida a disparu, que le VIH n'existe plus, qu'il y a de moins en moins de gens qui se protègent. Les gars, il faut toujours se protéger, en fait. Hein. Donc, il y a plein de gens qui pensent que, ouais, bof. Donc, non, faut pas lâcher l'affaire. La maladie, elle n'est pas éradiquée. Bon, c'est clair. Les gens de chez Aide nous ont dit qu'ils espéraient qu'en 2030, ouais. ça a disparu. Et le but, c'est que ça disparaisse en 2030. Ça nous laisse 8 ans. On a un petit programme, là. Comment vous vous sentez? On a un petit planning. Paquet. Ouais. Voilà. Ça nous laisse 8 ans. Je pense qu'on peut le faire. En tout cas, bienvenue aux nouveaux followers. Bienvenue à toi, Guigima20. Welcome à toi. Bienvenue Paris en mode thermostat 7. Ouais, je suis la chaleur tournante. Je suis d'accord avec c'est toi. Monsieur Revax, welcome. Bienvenue à toi. On est là, on se pose tranquillement devant. Alors on est sur une heure. On n'est pas sur nos heures habituelles parce que il faut savoir que la dame que j'ai à côté de moi était en tournage précédemment et elle est venue direct en roue arrière sur une moto pour venir me rejoindre sur notre live. Elle a fait quand même deux, trois petites stories au passage. Et eh bien, on est très content que tu sois là. Bah oui, mais normalement, c'est quand ton live? C'est beaucoup plus tôt Normalement, c'est de midi à 14h, mais c'est pas un problème. Ouais, mais là, on s'en fout, c'est pour le dîner, quoi. Voilà. C'est encore mieux. Voilà. Et oui, on est. De toute façon, le titre du live, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc alors là, on est encore. C'est un tue-l'amour, cette question. Alors, il faut attention. Arrêter de poser cette question. Ça dépend. Non. Attends. C'est pas une question que tu poses tous les jours en mode date. Ah ça, c'est sûr que c'est pas en mode date. Parce que à ton premier date, le mec, il arrive et fait « Qu'est-ce qu'on mange ?» Moi, le gars, il repart chez lui, chez sa mère direct. Hein. Chez sa mère. Ok. Mais non, mais... Oui, je suis d'accord. C'est une question chelou. C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est un côté quand même... Ouais, c'est un peu, il y a un petit côté à l'ancienne quand même. Un petit côté à l'ancienne, un petit côté old school, tu vois. Le daron qui rentre chez lui, sort du travail, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On n'est pas d'accord. On mange. En tout cas, tu vas manger. On va mettre les pommes. En attendant, on va mettre les pommes dans de l'eau citronnée pour éviter que ça noircisse. Tu as tellement, mais tu sais faire les crumbles, toi. Ouais, je cuisine un peu, je t'ai dit. C'était pas une blague, hein, je te jure. Mais je te crois que tu cuisines. Ouais, il faut mettre du citron dans les pommes parce que sinon elles noircissent. Bon, pas que c'est très grave parce qu'on s'en fiche, il va y avoir une énorme croûte de pâte sablée dessus. Mais
Bon, on préfère. Moi, tu sais, des fois, je les... Je sais pas si on peut le faire là, mais c'est peut-être pas mal parce que c'est plus compote. Ouais. J'ai tendance à les faire sauter à la poêle avant de les mettre au four, mais là, on va gagner du temps, on va les mettre directement au four. Mais, Ouais, parce que le but, c'est quand même... notre date arrive dans 2 heures, faut être prêt. Alors, en tout cas, je voulais faire des remerciements pour les dons. On m'a dit dans l'oreillette, l'oreillette totalement invisible ici, c'est dans la boucle d'oreille que ça se passe, on m'a dit qu'il y avait eu des dons déjà. Mais c'est génial. Ça commence super bien. Ça commence fort. On est déjà sur des dons. Ah donc je dis merci. On dit merci pour les dons. Moi j'ai un mec qui s'appelle Théo Bosgamer qui me demande si je vais bien et j'ai Farah qui me dit ça fait plaisir de voir Valérie. Moi je vous aime les gars. Merci. Écoute, ça fait plaisir. Non mais ça fait super plaisir. Génial. Moi ce qui me fait encore plus plaisir c'est si vous faites des dons, c'est magnifique. Allez, on ça vous a c'est mis, placé on vous a ça. Mis le lien là pour les dons. Ça c'est du placement. Ça. Toi t'as fait de la télé toi quand même. Ouais, j'ai fait un peu ouais, de télé. Ouais, ça se voit. Putain, tu vois, autant moi je cuisine un peu, autant toi la télé c'est bon. Les transitions, bim, bam, je vais apprendre. Tu me feras une petite formation, je veux bien. Oh, ça va, je pense Allez. Que tu gères aussi. Fais pas genre, s'il te plaît. Allez. Hop. Allez, on continue. Ça, c'était alors, pour brosser dans le sens du poil, parce que ouais, quand même, c'est une guest. Donc, faut... on va pendant que ça trempe, genre 5 minutes, là. Yes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Optimisons. Nous, on va préparer la pâte sablée. Allez, okay. Alors. Alors, est-ce qu'on peut avoir un saladier? Il y a une jeune fille qui est là, qui a une tenue d'un sexy ouais. sans égal. Elle est croustillante à souhait. Et normalement, elle est censée nous amener la coriandre, les ouais, trucs. Ouais, ouais. Voici alors. Le saladier. Ok. Donc, le plus important... C'est de ne pas foirer la pâte sablée. Sinon, on foire la recette. Sinon, on foire la recette. Au moins, c'est donc, c'est l'idée, clair. On prend le sucre. Alors, moi, j'aime pas trop les quantités. Je fais un peu à l'arrache. Okay. Mais sur la recette de base, pour le crumble, il dit 125 grammes. Bon, moi, je dis un bol. voilà. Après, est-ce qu'on a une cuillère en bois? Oui. On a juste ici. En fait, oui, quand même. Ouais, donc, tu vois, donc, non. Je suis une vieille personne, j'avais pas vu le dos. Ok, on prend un œuf. On casse l'œuf sur yes. le sucre. Ok. On mélange le sucre avec l'œuf. Let's go. Let's go. Voilà, on mélange bien. Hein. Faut que ça soit vraiment une bonne patrouille. Voilà. Mm-hmm. Tac, 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 tac. Quand c'est bien comme ça, genre un peu yaourt là. Ouais. Ok. On est parti pour la farine. Let's bon go. Là c'est pareil. Vous allez me dire combien. J'ai tendance à vous dire. Ouais, c'est un peu un instinct en c'est fait la cuisine. Ok. On mélange et on va voir. L'idée c'est que quand on va mélanger la farine avec le sucre et l'œuf, il faut que très rapidement ça fasse comme du sable. D'où le nom pâte sablée. Allez. Si vous foirez le sablé, vous avez qu'à recommencer. Oui, bah oui, c'est sûr, merci. C'est The Boss Gamer. Ah, bah oui, Théo, bien sûr. Si on foire le sablé, on n'a qu'à la recommencer avec un émoticône comme ça, avec un mec qui fait comme ça. Alors, on fait comme ça. Ok. Ok. Et alors, est-ce que tu es en mode manuel après quand tu vas sabler? Ah, bah, t'es obligé, ah, bah, avec voilà, le beurre, il voilà. faut se laver les mains et on y va, quoi. Let's go. Ah oui, let's go, total. Est-ce qu'on a un tout petit peu de supplément de farine, au cas où? On a toujours un peu de farine, on a toujours un peu de... Je sors le pot de farine. Là, c'est quoi, là-dedans? C'est pas de la farine, ça? Ça, c'est de la farine, mais en fait, c'était pour l'auto-préparation. Ah, d'accord, voilà. Bien sûr. Le pot de farine, il est ici, il est un peu mastoc. Au niveau supplément, je pense que normalement, la robe de Brigitte, ça va bien se passer. L'idée, c'est vraiment que ça soit comme du sable. Donc, okay. si on voit encore un peu la patoune, genre caramel, ouais. du sucre, c'est pas bon. Parce que sinon, le beurre, quand tu vas mettre le beurre, parce qu'ensuite, nous allons mettre du beurre qu'on va malaxer aux mains, si c'est pas assez sableux, ouais. ça va faire une pâte bah, qui ne sera pas mietteuse et sableuse pour le crumble et ça va être... Nous, ce qu'on cherche, c'est le sable. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment le sable. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. C'est beau, c'est beau. Ouais, ça, c'est une belle transition, ça. Et dis donc, je te vois venir. Tu me vois alors, venir. Alors là, franchement... C'est bientôt les vacances. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non. En vacances, on... Oui. On pécho. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Hey. Et ça, c'est bon, ça. On se protège, les amis. Il y a plusieurs façons de se protéger, attention. Hein. Ah bah, il y en a plein des façons de se protéger. Au niveau de la prévention, attention, au niveau de la prévention, il y a plein de choses. Alors, je vais vous donner 2-3 infos quand même, parce que ouais, je vais pas vous laisser comme ça. En tout cas, est-ce que j'ai dit bonjour à Marty? Morty Césé. Non, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Attendez, on a une... Merci, merci. L'oreillette, merci. L'oreillette vient de nous dire... Merci, on est déjà à 40 euros. C'est ça? Le texte est bon. Wouh! Les mains se lèvent dans le fond. La fête peut commencer. Est-ce qu'on est bien? Comment vous allez, les amis? Ça fait plaisir. N'hésitez pas à donner. Bonjour, bonjour. Sardine Forever est là et dans la place. On est là, les amis. Alors, je vais vous donner quand même des éléments d'information parce que là, en fait, d'habitude, je cuisine. Mais là, c'est moi qui cuisine. Je suis un peu sur le côté, mais je vais quand même t'aider. Je vais m'aider à quoi? Alors, je vais t'aider à faire le texte. Je vais dire le texte. Est-ce que ça te va?
Vas-y, je t'en supplie. Je t'en supplie, je vais goûter quand même. Alors. Ah oui, alors, avant que tu donnes le texte, je vous donne un petit truc. On ne prend jamais de sucre blanc. D'abord parce que c'est un poison pour la santé, c'est dégueulasse. On prend toujours du sucre de canne. Ok. Ok, voilà. Voilà, ça c'était... Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Donc, ok, j'espère que l'info est bonne. Je vous dis que, donc, vos dons pour pouvoir financer les actions de prévention et de dépistage avec vous, et vos dons 2030, c'est objectif 2030 sans sida, comme tu disais, il reste 8 ans. Exactement. On est bon, je pense qu'on peut le faire, je pense qu'on peut y arriver. N'oubliez pas, faites l'amour, mais protégez-vous. Ça, c'est la base, c'est l'été, on se fait plaisir. En plus, avec ce genre de chaleur, c'est vrai qu'on a on enlève plus facilement le t-shirt, tout ça, tout ça. On met des tenues légères, ça va. On est sexy croustillant. Et ça, c'est bon. Donc, pour se protéger du VIH. Alors, je vous disais, il y a plusieurs moyens de prévention. Il y a des informations qui fusent dans tous les sens. C'est génial. Laisse-moi dire mon texte. S'il te plaît, faut pas déconner quand même, non. Alors, pour se protéger du VIH ou protéger les autres, il existe le préservatif. Ça, ok, ça c'est un classique. Masculin ou féminin? Oui. Le féminin est moins connu, mais il existe. Oui, il existe. J'ai déjà testé. C'est pas terrible pour les filles. Ça dépend. Bah dis donc, c'est toi qui l'as testé, t'es une fille toi maintenant? Non, mais la fille qui était avec moi. Elle a dit quoi la fille qui était avec toi? Ça s'est très bien passé. Ouais, bah parce qu'elle était, elle était amoureuse de toi, ouais. Bah je sais pas, non, pas trop de détails, non, à mon avis, dis pas trop la vie privée, attention. J'ai rien dit. Ok, d'accord. Parce que moi je l'ai testé. Ouais. Bon. C'était pas ton délire. Moi, ça s'est bien passé. Donc, je pense qu'il doit y avoir plusieurs salles, plusieurs ambiances. Plusieurs ambiances. Voilà. Donc, il y a aussi la PrEP. Alors, c'est un médicament que l'on prend pour éviter une contamination du VIH. OK. Oui, et ça, c'est pas très connu. C'est important que tu en parles, c'est bien. Non, ça, c'est. On va en discuter un peu plus en détail parce que dans le quiz, il y aura des infos et tout ça. Je finis mon texte et je dis bonjour. Le TASP, alors le traitement d'une personne séropositive, elle ne transmet plus le virus. Ça, c'est quand même une avancée. Ouais. On n'est pas tous au courant. Perso, moi, je ne savais pas avant de préparer l'émission et il y a eu quand même des avancées là-dessus. Et il faut le savoir, il y a aussi le TPE, le traitement post-exposition après un rapport à risque, à prendre sous 48 heures. Ça, c'est quand on n'est pas trop sûr, on a fait... Bah, quand la capote a pété, tout simplement. Voilà, hein. Voilà, tu connais. Non, c'est important de savoir que même si tu as été exposé potentiellement avec quelqu'un, tu as eu un rapport qui est séropositif, tu peux prendre ce traitement et ne pas avoir d'ennui derrière. L'attraper, c'est quand même. C'est ça. Il y a une avancée de dingue. Franchement, quand même. Quand j'étais ado dans les années 80, les débuts du sida, c'était pas aussi. Quand j'étais ado dans les années 80. Ah oui, je suis âgée, les gars. Moi, j'étais ado dans les années 80. Alors. Ok. On continue à faire des dons. Hein. On continue à faire des dons. Alors attendez, parce que je vous ai. Oui, c'est bon. Je remercie. Ouais, je suis. Ah ouais, donc c'est écrit sur l'écran. On est à 175 euros. Ça monte. Bim, bam, bon. Est-ce qu'on va atteindre des sommets? Nasta 3112, hello. Dorami. Ah ouais, elle nous dit un truc vachement important. Enfin, je sais pas, Rémi, Dora. Dora Amy. Bonjour, le dépistage dans les laboratoires d'analyse médicale est entièrement remboursé et sans ordonnance. Et ça, c'est important parce que pour les jeunes qui ont un petit peu peur de se faire dépister en se disant faut que je paye le médecin, qu'il me fasse une ordonnance et que j'aille au labo, exactement. Et ben non, les gars, c'est remboursé. Donc voilà. Voilà, maintenant vous avez l'info, il n'y a plus moyen de. C'est gratuit. Et le grand loup, désolé, je voulais faire un don de 10 euros, mais j'ai plus d'argent dans mon PayPal. C'est pas grave, on y va, on continue les dons, les amis. Bienvenue en tout cas à Nasta 3112. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, ado dans les années 80, on est de la même génération. Et ben voilà. Chérine. Salut Chérine, j'espère que tu vas bien. Grand contact et vétéran DD. Tout le monde est là, ça fait plaisir. Ok, on en est. Alors, on a fait le sable, les gars, je vous montre. On a fait le sable. Je sais pas si on peut voir bien que c'est du sable, mais c'est du sable. Est-ce que vous validez le sable de Valérie? On valide le sable quand même, il est très sableux, regardez-moi ce beau sable. Ça, c'est du beau sable. C'est du sable, on est sur une plage de Bali, on est sur une plage d'où à peu près. Voilà, on est au Cap Ferret là. Ah, ok. Alors, ensuite on prend le beurre. On prend le beurre. J'ai envie de vous dire, c'est pareil. Attention, attention. D'autant vous diront une demi-plaquette. Oui, alors là on est quand même sur 250 grammes. Bah sur une plaquette. Ouais. On va voir. Ah ouais, parce que, attends, parce que toi tu m'as envoyé la recette, tu me dis deux plaquettes.
Oui, parce que je voulais, au départ, tu sais pourquoi je t'ai demandé du beurre? Parce que je m'étais dit, on va peut-être frire les pommes avant de les mettre au four. Ah, ok, donc, d'accord. Comme je l'ai fait frire dans le beurre, c'est pour ça aussi. Mais c'est pas grave, tu le ramèneras chez toi, le beurre. Oui, je ramène le beurre chez moi, bien sûr. Alors, on prend le beurre et on le laisse dehors pour qu'il fonde, qu'il se ramollisse un peu. Là, on il veut, est bien. Voilà, on veut pas du beurre fondu, mais on veut du beurre un peu comme ça. Voilà. Un peu moumou. Hein? Un peu moumou. On le met comme ça. On va déjà commencer par trois bouts. Et on le coupe en petits morceaux comme ça. Et là, c'est là où la main intervient. Une fois qu'on a émietté le beurre, enfin émietté, coupé en petits cubes le beurre, on incorpore le beurre avec le sable. Let's go. Let's go. Donc, moi, je vais préchauffer le four quand même. Voilà, préchauffe le four. Yes. Je préchauffe le four. Oh là là, si vous voyez comme l'assistante de. Il y a quand même une gymnastique, une chorégraphie. On a. C'est avéré. Marmiton. C'est incroyable. Préchauffer à combien de degrés? Parce que là, 180. On a, 180, on l'a balancé à 200. Boum, on est parti en roue arrière, un peu comme quand t'as pris ta moto tout à l'heure. Pour venir nous voir, imaginez Valérie en roue arrière. Imaginez en direction. Valérie en roue arrière. Alors, ça va être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu veux que je coupe les pommes ou que je fasse un truc comme ça? Non, alors, on va les mettre. C'est cash. Non, tu t'arrêtes tout de suite. Non, mais regarde, faut sortir le plat d'abord, mon chat. Ok. Sors le plat. Je sors le plat. Attends, on va en faire. Alors, quand vous sentez que c'est un peu trop collant pour le réémietter, vous remettez de la farine, vous n'hésitez pas. Hein. Mmh. On remélange avec la farine, c'est toujours mieux. Voilà. Je sors. Bah, tiens, un plat qui va au four. Hein. Ouais, je regarde ça. Tu vois, plutôt. Une plaque comme ça. Bah, non, c'est pas assez profond, mon chat. Ça, c'est pas assez profond? Et non, puis là, c'est trop grand. Ok, ouais, d'accord. C'est sûr. Il faudrait. Ouais, je sentais un petit plat. Tu vois, une petite. Ah voilà, les petits plats blancs là. Les petits plats blancs. Non, là, chouchou, là. C'est pas des plats ça? Ça, c'est pas des plats, non. Ça, c'est des. Ça, c'est. Et ça, des... c'est quoi? Non, c'est un plat en plastique. Je te ramène ça. Continue à m'alexer, j'arrive. Bah tiens, et ça c'est bon. Attends, quel mauvais mot. Et ça, c'est quoi? Non, mais attends, sérieusement. Alors. Ok. On beurre le plat, très important. Ça te suffit, ça, c'est comme ça? Ok, bah, c'est bon. Seul, on en fait un seul, ouais. J'ai la dalle, moi, attends. J'attends plus de ta dalle. Ah, bah, on en fait deux, si tu veux. De toute façon, il y a suffisamment de pommes pour en faire deux. Hein. Ouais. Mais vous avez faim? Attention, je préviens tout le monde. Oui. C'est une validation derrière, on a faim. Donc, on va faire alors, les deux. Alors, on beurre très, très beaucoup le plat. Très important. Voilà. On est sur de la générosité. Hein. On est sur de la générosité. La générosité. On gagne le plat avec du beurre. Voilà. Ok? Ah, pas mal. Vétéran DD propose une blague. Moi, je la valide. Et comment. Voilà. Si le live se coupe, est-ce qu'on peut dire que Valérie, c'est déco? Waouh. Vétéran DD. Moi, je pense qu'on est, on est sur la recherche de la punchline du live. Je pense que là, t'es bien. Tu es bien positionné. Ouais. Valérie, elle est, comme moi, Eric, gourmand croquant. Ok. Ouais, croquant croustillant. Croquant croustillant. On est à 250 euros, let's go. Hey! C'est vrai ça? Waouh! Ok. Vous êtes chambés, les gars. Ouais. Vous êtes génial. Hein. Le petit Louis à la dalle, oui. Le petit Louis sera nourri, ne vous inquiétez qui pas. Qui est le petit Louis? Le petit Louis. Pardon, les gars, mais les private jokes. Non. Alors, parce qu'aujourd'hui, oui, je vous ai pas donné les détails, mais aujourd'hui, c'est Aurélien qui est derrière les platines pour la réalisation de cette émission. Et en plus de ça, il n'a pas de micro, donc il a bifurqué sur le côté, comme ça. C'est son côté timide. Ok. Mais il est beau gosse, hein. Mais oui, mais en plus, c'est ça, il est beau gosse en plus et il se cache. Bah ouais. La dernière fois, il est apparu dans une de mes stories et il y a une copine qui m'a dit c'est qui. Mais viens montrer qui aux gens. Qui est cet effet? Oh, ça va, viens là, fais pas genre le timide. Allez. Non, les meufs. On est sur. S'il te plaît, viens là. On va quand même mater le gars parce que là, on est là, on peut passer pour des mythos. Ça se trouve, le gars est. Donnez une note. Alors. On est sur une tomate qui arrive. Regardez. On est alors, sur une personne qui a de l'épaule. Ouais. On a de l'épaule. On a de la prestance, on a de la hauteur. Ouais, c'est pas mal. On a du vache. C'est pas mal. Non, c'est bien. Ok, d'accord. Voilà. Et surtout, protégez-vous, les amis. Surtout, protégez-vous. C'est très important parce que, oui, l'été arrive. On a tous chaud. On a tous très, très chaud. Comme vous avez pu le voir, Aurel est monté en température à l'espace de 2 mètres. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire des dons. Les amis, je vois que ça monte. J'ai même pas besoin de le dire, mais je vais quand même le répéter tout le long du live parce qu'on est là pour ça. On est là pour l'association AIDS. On est là pour les dons. N'hésitez pas, on bombarde. Alors, maintenant qu'on a les plats beurrés, c'est là où tu vas pouvoir couper. On coupe le crumble en, tu vois, comme ça. Et on en met dans le plat.
Je vais prendre mon plat. Du coup, c'est bien qu'on ait deux plats. Voilà, tu vois, comme ça, on peut tous les deux couper des choses. Tiens. Ça, c'est bon. Let's go. Voilà. Donc, on coupe en petits bouts parce qu'il faut que ça soit quand même moelleux, comme une compote, tu vois, limite. Enfin, ouais. Pas comme une compote, mais tu vois. Donc, on coupe. Tu vois le genre. Ok. Enfin, moi, je vais prendre un couteau plus petit. Le croustillant, d'accord, mais enfin, la pomme pas cuite, on n'aime pas trop. Moyen, quoi. Moyen. Donc. Pour ça, normalement, je vous le dis, on les fait sauter à la poêle, c'est pas mal aussi, c'est un petit tips. Ouais, mais est-ce que là, ça prend plus de temps? Parce qu'on on rappelle quand même l'histoire, c'est faire des recettes croustillantes pour un date. Rapidement. But, ouais, rapidement, parce qu'on a très envie de pécho dans le scénario, attention. C'est l'idée. Bien sûr, pour pécho, on fait la recette. Pour pécho, on va faire un bon dîner. On va faire un bon dîner croustillant. Croustillant quand même. Croquant croustillant. Croquant croustillant, ce qui nous permettra d'arriver au bout de l'aventure. Bien sûr, n'oubliez pas de vous protéger. Parce que, non. Oui, il faut réussir l'aventure jusqu'au bout. Et si on va jusqu'au bout, eh bien, pour réussir, il faut se protéger. Ça, c'est magique, les amis. Les gars, c'est l'essentiel. Hein. Sinon, là, c'est plus la fête de l'amour, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on n'a pas envie de ça, on n'est pas là pour ça. Parce que moi, j'aime bien la joie. Voilà. J'aime la joie. J'aime la joie, vous voyez. J'aime la joie. Joie. C'est ça on sera... travaille dans OSS 117. J'aime la joie, c'est très sérieux. Alors, un caramel en perspective, nous demande Chérie. Je n'aime pas le caramel, mon chat, mais pourquoi pas. C'est ce que je dis. En fait, la cuisine, ce qui est vachement important, ce qui est vachement essentiel, c'est de le faire à sa sauce. Moi, j'aime bien prendre une recette de base et après, tu améliores à ta façon. Moi, je fais sauter les pommes, tu vois, dans du beurre. Parfois, je rajoute un peu de sucre en poudre dessus pour caraméliser un peu les pommes. Tu peux le faire, mais c'est vraiment... faut faire à ta sauce, faut faire comme tu le sens. C'est ça, la cuisine, la vraie cuisine, je parle. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Incroyable, cette Valérie, on est d'accord. J'aime la joie chez Féric Juin 2020. Ok, d'accord. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à clipper, les amis, il n'y a pas de souci. Le meilleur, c'est le dessert, wink wink. Ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, t'es plus plat principal ou dessert? Je suis plus plat salé. Bizarrement, hein, je sais, tout le monde pense que je bouffe comme une... Hein, voilà, pas du tout, en fait. J'aime le sel. J'aime le sel. Je suis pas très, très dessert. Le crumble, ça va, c'est sympa. Ah ouais? Il y a un truc qu'on aurait pu faire aussi, que j'aime bien faire, c'est le flan à la fleur d'oranger à la maïzena. Ah, ok. Très, très facile à faire. Et ça fait partie de tes recettes. Et c'est hyper facile à faire. Alors d'ailleurs, parce qu'on est en train de parler de recettes croustillantes justement pour date, mais alors le fait que tu aies switché, est-ce qu'il y a une histoire sur cette recette que tu as nous raconter? Est-ce que tu l'as déjà testée justement? Est-ce qu'on peut en parler de tout ça? De ma recette d'origine ou de celle-là? Ma recette d'origine, c'est le poulet olive citron. Ok. Je l'ai testé 1000 fois. Ouais. Ça cartonne. T'as pécho avec? J'ai pécho de ouf. Okay. Bon, souvent mon mec, mais... Écoute, mais bon, c'est pécho, hein, c'est l'essentiel. Pécho, c'est pécho. Pécho, c'est pécho. Pécho, c'est pécho. Attends, il n'y a pas de... Voilà. Le crumble, c'est bon, là, c'est le truc que je fais depuis toujours. Ça marche bien, c'est facile à faire. Ouais. On fait avec les enfants. Ça marche, c'est un menu familial, attention. Voilà. Alors, là. Ok. Je pense qu'on va rajouter de la farine, on n'aura pas assez de pâte pour faire un truc croustillant. On va rajouter... Attends, ça c'est... Ouais. On va rajouter un peu de farine, parce qu'on en a pas assez. Un peu de farine, let's go. Voilà. On met ça sur le côté, je te fais un peu de place. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Eric. J'essaye. Ok. Oui, j'en ai mis un peu à l'arrache. Et alors, je vois, il y a les deux copines là, qui sont là, qui ont fait... qui ont vu la façon un peu... comment dire. Voilà, écoute. Ok. Ça, ça veut dire quoi quand il y a de la... Alors. Oui, parce qu'il y a des petits bruits bizarres. Il y a des petits... On ne sait pas trop où on est, qu'est-ce qui se passe. Ce bruit, ça veut dire que quelqu'un vient d'arriver et de s'inscrire à la chaîne Twitch de Marmiton. Donc c'est quelqu'un potentiellement qui ne sait pas qu'il faut faire des dons. Exactement, Nous sommes dans un live solidaire. Oui, parce que quand même, on est avec Valérie D'Amido et on est sur un live solidaire pour AIDS, l'association AIDS, les amis. On fait des dons. Pour cette association. Je vous fais un petit rappel, on y va comme ça, on y est directement. Donc je vous rappelle, c'est un live caritatif pour soutenir l'association AIDS et la lutte contre le sida. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dons pour cette belle cause. Tous les dons sont reversés intégralement à l'association AIDS. Ok. Donc on est là aujourd'hui, on est sur l'événement, on est sur l'occasion Faites l'amour, un événement qui a lieu chaque année. Exactement. Pour dire oui à l'amour et non au sida. Exactement. Et le but étant que cette maladie de merde dégage d'ici 2030. D'ici 2030. Voilà. On a 8 ans.
C'est pas impossible, hein. Non, non, c'est possible. C'est même très, très possible. Surtout si on suit, en fait, tous les moyens qu'il y a pour se protéger, pour se soigner. Ah oui, alors, moi, je sais pas si tu comptais en parler. Moi, je voulais parler des préjugés des gens sur le VIH et sur les personnes séropositives. Mais alors, attends. Je savais pas si t'allais en parler, mais moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Voilà, non. Alors là, On était à la limite du spoil. Là, on était à la limite du spoil. Et alors, parce que là, tu as tapé un coup d'accélérateur. J'ai tapé un coup d'accélérateur. Ah, excuse-moi, d'accord. Donc, en fait, parce qu'il y a un quiz qui est prévu quand même. Les amis. On est combien là? Parce que, attends. Oui, il faut voir encore si. Il y a le beau gosse, la belle gosse, les deux autres belles gosses. Il n'y a que des beaux gosses dans le sport. On est un peu des numéros 10. Ça, c'est beau, que des numéros 10 dans ma team. C'est pas ma faute. J'ai plus d'argent. Ok, tout va bien se passer. 265€. On monte. Théo, on n'est pas en train de te juger, c'est pas non, grave. Non, c'est pas. Tu peux rester avec nous quand même. Tu peux quand même rester. Et mais n'hésitez pas à faire des dons. On est à 265€. On est à 200, ça monte. Plus on parle, plus on monte. Attention, normalement, un moonwalk et un salto arrière sont prévus quand on atteindra les 7500. Voilà. Alors, quand on atteint les 7500, Eric et moi, on se met en slip. Voilà. Waouh. Ok. T'es dans la merde, hein. Si on y arrive, moi je le fais. Ah, moi j'en ai rien à foutre, je me le fais. Hein. Ah, ok, moi, d'accord, bon, on y slip va. Ah, bah moi si on arrive à 7500, je vous le dis. Si on arrive à 7500. Je me fous en soutif et en slip, je vous le dis. Ah, et ah, bon. Là, je pense que là. Alors c'est pas. Je veux dire, mannequin, mais je serai en soutif. Voilà. On peut clipper s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est un bon moment. De folie. Oui, 7500€ les mecs. 7500. Non, là quand même, c'est du lourd. Ok, on monte, on continue notre ascension. Alors, ça y est. Ouais, là on y est là. Comment ça se passe? Je suis perdu, je suis un peu troublé. On va se mettre chacun la moitié. J'imaginais le live en slip. C'était pas prévu dans et le en soutif. Bon, toi t'as pas de soutif, tu t'en fous. Non, j'ai pas de soutif. Alors l'idée, mon chat, c'est qu'il faut vraiment émietter. Ok. Tu vois comme ça là, vraiment, on émiette, hein, c'est un crumble, il n'y en a pas assez, on n'a pas assez de pâte. Hein. Bon, tu crois qu'il faut qu'on fasse une pâte? De toute façon, c'est pas trop compl. J'ai l'impression que... Bon. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on reparte sur une pâte. Je pense qu'on va repartir sur... Ça va, c'est pas le plus dur à faire. Non, c'est pas le plus dur. On est sur une question de combien de temps là? Bon, moi je dirais 30 bonnes minutes. Hein. Bon, que ça soit bien croustillant. Ça va. Ok, que des BG dans le chat, on est là. Bah évidemment. Bah oui, Grand Loup Contact, on sait de quoi il parle. Grand Loup Contact. Bélec au téton sur Twitch. Bélec au téton sur Twitch. Dis donc, Bélec au téton, pourquoi Bélec au téton? Non, wow. Peut-être qu'il parle de mes tétons. Parce que sans pouvoir un téton sur Twitch, c'est pas direct. C'est vrai? Même les tétons des mecs? Oui. Mais attends, les mecs torse nu, ils ont pas le droit. Ok, ouais, je mettrai un scotch. Tu mettrais un scotch? Ça devient bizarre quand même. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre quand même. Hein. Et là, je pense que. Bon, bah, on ça sera le meilleur clip de toute ma life. En fait, on a lancé la carrière avec Valérie Damidieu qui me proposait de mettre du scotch sur mes tétons. T'as le live qui part en n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Non, c'était dans le respect. Bien sûr. Je vais avoir un coup de fil de sa mère qui va me dire « Dis donc parce qu'est-ce que tu racontes? Mon fils à poil en téton avec du scotch !» Oui, sa mère parle comme ça. Ouais. Salut maman, ça fait plaisir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Odette. Tati Odette. Bien sûr que non, on va pas mettre en slip. Non. Enfin, si, c'est à 7500€. À 7500, si. Je suis obligé, c'est la promesse qu'on a fait. Ah oui, voilà. On a fait une promesse. Voilà, mais t'inquiète pas. Non, en fait, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal, bon. Faut bien émietter hein, pour que ça recouvre toutes les pommes. Je sais pas. J'ai essayé d'en mettre le plus possible, de répartir le plus possible. Ah, ça c'est pas le. Eh bien, Valérie se défoule sur Marmiton. Qui l'eût cru? Eh bien oui, non. Qui l'eût cru? Eh bien écoute. Tout est possible. Donc les amis, je vous rappelle, on est sur un live spécial. Là, on est sur un live où on fait des dons. On fait des dons pour l'association AIDS. Ouais, c'est comme ça. On est déjà à combien? 170. Mais non, et plus le... Ah, ok, d'accord. Ça va finir en slip. Alors,
Alors, je vais vite F. Alors, n'hésitez pas à remettre le lien, les amis. Ouais, ouais, c'est parti. Donc, vous avez le lien dans le chat. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui n'ont pas vu, vous cliquez dessus et boum, vous faites votre don. Ça part direct, ça part, comme on dit dans le game. C'est hyper fluide. Hein. Attention, on est sur une fluidité genre jamais égalée. Valérie Damido contrôle le game. Elle est chez elle. Il n'y a pas de souci. Bon, je refais voilà. Vite F, un peu de patte, histoire... On y va. Histoire qu'il n'y ait pas de... Non, il n'y a pas de jalousie. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir un commis parce que c'est un peu le bordel, hein. Très rapide. Ouais, ouais, c'est un... Toi, t'es plus dans une cuisine expansive ou genre... Oui, comment... je suis dans une cuisine expansive, mais par contre, je range toujours après. D'accord, c'est la règle. Non, j'aime pas le bordel. Ça, c'est bon à savoir. Non, non, là, je vois que tu le fais, donc j'ai même pas le temps de le faire que c'est déjà fait. Ouais, 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 parce que on... sinon ça part vite en sucette. Je refais vite F une petite chose. Ok, ah. Donc, sucre... On gâche pas la farine qu'on a utilisée avant. Exactement. Hein, voilà. Ça, on peut le mettre sur le côté. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Surtout après la semaine qu'on a passée la semaine dernière, on sait que le gâchis, c'est proscrit. En tout cas, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On était sur la semaine de l'environnement. Et justement, on a appris plein de choses contre le gâchis. Ah, d'accord. Et ouais. Et ouais. Et alors? Eh ben, ça te... Qu'est-ce que t'as appris? Eh ben, j'ai appris que, par exemple, une baguette, quand tu la jettes à la poubelle, en fait, ben, c'est des heures de taf par rapport à la récolte du blé, par rapport à l'eau, par rapport à tout ça que tu mets à la poubelle sans y penser. Et ça représente énormément. Ah. Oui, bah oui, quand même. C'est des choses qu'on... C'est des choses qu'on dit pas comme ça. Ok, je vais ranger ça. Oui, tu peux. Oui, je peux. C'est bon, tu m'autorises? Bah, je t'autorise. Let's go. Donc on repart sur le sable, hein, on repart, on est dans le sable. Voilà. Du coup, bah, le beurre va très bien servir. Ouais, le beurre, bah, c'est, t'as pris toujours le beurre qui est à température. Les amis, on n'hésite pas. C'est dans le chat, on fait des dons, bim, on clique, c'est fluide. Et à en fait, 7 500 €, ouais. Eric et moi, on se met en slip. On se met en slip et je vous dirai ce que ça donnera aussi à la réunion du lundi quand on en reparlera, quand on va débriefer l'émission. On disait, alors ouais, c'était bien l'émission, par contre le slip... Bah je sais pas si on arrive à 7500. Mais non, mais tu m'aurais dit, j'aurais mis un slip spécial live, tu vois, genre un truc avec des couleurs bariolées, genre... Pourquoi un truc... t'as pas un slip avec des couleurs? Non, je suis sur un truc noir classique. C'est pas mal aussi. Ouais, bah écoute, ça fera l'affaire, de toute façon on n'a pas le choix. Ouais, là de toute façon on n'a pas le choix, j'ai pas d'autres caleçons... sur moi. Une baguette jetée, c'est une baignoire d'eau gâchée. Et oui, et j'ai fait mes devoirs. Bah c'est vrai. Merci c'est vrai. À toi. Ça fait plaisir. Mais pendant le confinement, on a tous appris à faire du pain. Nous-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle de voir tous ces gens sur les réseaux sociaux qui disaient « Ah, moi, je fais mon pain tout seul. » C'est ça. J'ai beaucoup rire. Moi, je plaide coupable. T'as fait du pain pendant le confinement? Ah oui, j'ai fait du pain, j'ai fait des recettes, j'ai fait plein de trucs. 1500 en slip, les mineurs, vous pouvez sortir du chat. Attends, toi tu baisses à 1500. 1500, non. On a dit 7500. On a dit 7500, tu nous brades. Je me mets pas en caleçon comme ça, moi, attention. Non, 7500 ou rien. Donc les amis, je vous rappelle, on est quand même sur l'événement Faites l'amour, ok. Donc ça a lieu tous les ans. Et on dit oui à l'amour et non au sida, c'est la base. C'est la base. Là, le ouais, but, on base, est sur ouais. Des recettes croustillantes parce que le but, c'est de pécho avec la bouffe en préambule, quand même. C'est la base. Et là, on est sur des recettes ultra croustillantes parce que, ah, en fait. On te propose un slip avec écrit en gros, c'est validé. Ah là, c'est à 7008. Attention, ça devient n'importe quoi ce live. Hein. Attendez. On fait ça quand même. On fait ça pour l'association AIDS. On va pas aller trop loin non plus. Le slip, c'est validé. C'est un peu bizarre. J'aime bien l'idée. Perso, j'aime bien le concept. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à travailler. Je pense qu'on va... Je vous donnerai des nouvelles à ce niveau. Alors, où on en est au niveau de la pâte? Là, je pense ben, ça y est, regarde. Ah, on va pouvoir remettre de la pâte. Deux, trois vannes et on y est. Je propose un caleçon. C'est chacun, plus cool. Tu malaxes un peu ta pâte. Tu la malaxes un peu. Tu la mets à ta sauce. Allez. Et on va imiter. Voilà, là du coup on va bien recouvrir. Voilà, là c'est un vrai crumble. Okay. Allez, on y va. Alors, sinon, si on veut rendre le truc encore plus croustillant, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre aussi, on peut mettre des céréales par-dessus. C'est-à-dire? Émietter. Ah bon? Eh ouais. Ah bon? Ouais, ouais, tu. Je suis sûr de ça? Ouais, ouais, on peut essayer. Écoute, moi je vais essayer sur ma version. Ah, essaye sur. Voilà. Voilà, j'ai essayé sur ma version. Je vais te laisser faire avec ta voilà. Version. Voilà, regarde ce que je vais faire. C'est, je vais en ramener un peu. Ça, c'est vachement bien fait. C'est la magie de la télé. Regarde, voilà, j'ai mes céréales ici.
On a dit maximum de croquance, hein, attention. Oui, mais J'ai pas jugé ton niveau de croquance. Je ne te juge pas. J'ai pas jugé ton niveau de croquance. Enfin, c'est un peu de la triche, ton truc, là. Pourquoi? Je sais pas, parce que... Je te propose. Bah, après, je te dis, je le fais sur ma version. Fais-le sur ta version, pas sur la mienne. Ok, d'accord. Donc, on écrase ça. Déjà, rien qu'au niveau de l'ASMR, on est bon, là. On est... Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est validé. Voilà. Le lien pour le don, il est là, les amis. Salut à toi, Game Campus. Ok, je vais pas en mettre trop, quand même. Le mec, il veut bien essayer des trucs, mais enfin, il est pas sûr de son dose, donc il en met pas beaucoup. Tu testes des trucs, mais enfin... Attends, tu fais la maline, mais on va voir ce que ça va donner sur le poulet, hein, bon, parce que... Ah bah j'en sais rien, Ah bah voilà. Attends, écoute. Un partout, balle au centre, la recette de ouf d'Eric, improbable. Oui, je pense qu'il y a un truc à faire, chérie. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'y crois. Surtout qu'on utilise ça aussi pour faire aussi du poulet... Du poulet à quoi? Tu peux faire des poulets croustillants avec ça aussi. Avec des céréales? Ouais, avec des céréales, tu les écrases, ça te fait une chapelure qui a la couleur bonne directement. Ouais, d'accord, ok. Mmh. Alors... Elle est pas validée, ok, d'accord. Vous avez pu sentir qu'on n'était pas sur une validation terrible. Hein? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ouais, écoute, je demande qu'à goûter, moi, hein, tu vois. Ok, on y va. Alors, moi, ce que je fais... C'est qu'ensuite, parsème d'une petite dose de sucre. Ok. Mais vraiment, je fais un petit jeté léger comme ça. D'accord. Voilà. Vous aimez ce geste ou pas? Ça, c'est de la SMR aussi. tu as pas une tablette de chocolat qui traîne par là? Non. Jérémy, je n'en ai pas, malheureusement. Le dernier petit morceau de beurre, j'aime pas le gâcher, donc on va le mettre là. Faut pas gâcher, non. C'est la base. Les émissions, ouais, on n'est pas... Non, merci. Alors ça, la générosité, les amis. Là, voilà. Le beurre, c'est la vie, hein, en même temps. Alors, le beurre, c'est la vie. Le beurre, c'est la vie. Non, là, faut arrêter de... On va arrêter de déconner deux secondes. Le beurre, c'est la vie. Voilà. Alors, notre four est chaud? Le four est super chaud. Ça y est, t'as émietté tes conneries, là? J'en remets un peu. Juste pour avoir raison. Voilà. T'as mis du sucre sur mon truc ou pas? Ah bah non, tu m'as pas demandé. Ah bah voilà. Attends, parce que tu pars... Où est le sucre? Là. Ok, j'y vais. Non, parce que c'est un peu de la triche, je te vois. Ok, t'as réservé ton truc. Tu m'as même pas proposé. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression que quand même tu maîtrises bien la cuisine, donc j'ose pas trop... Mais non, mais justement, je pensais que t'allais me proposer un peu de sucre. Mais bon, c'est pas grave. Je note. Ok, top en plus. Allez. Avec les fruits rouges, c'est parti. Grand Loup, c'est Coca Compagne. On est à 7 500 €, on m'a dit. Je vérifie, Grand Loup contact, très belle tentative. Attends, non, alors oui. Il est pas chaud. Ouais, c'est des effets spéciaux. C'est parce que ce n'est pas celui-ci. On dispose de plusieurs fours, ouais, c'est comme ça. En fait, ça c'est le four de déco. Et le vrai four, il est caché. Non, pas du tout. Est-ce que on peut m'expliquer pourquoi? Parce que il y a deux fours. Il y a deux fours comme ça. On en a. Non, on l'utilise vraiment en plus celui-là. Mais pourquoi celui-là là, on l'utilise pas là? Pour des tournages spécifiques. Donc on est parti. Pour combien de temps? Bon, on verra. Quand ça croustille. Moi, je regarde. Je suis très instinctive dans la cuisine. J'aime pas trop respecter les recettes. Alors, ce que je propose, on va se laver les mains. Ouais, c'est une bonne idée. On range le bazar. Ouais, parce que là, il faut ranger la chambre quand même. On fait un quiz pour parler de allez, de let's go. Ouais. Et après, on continue, on enchaîne sur la recette du poulet. La recette qui va bien. Alors, est-ce que ça vous va, les amis? Est-ce que ça vous va? De toute façon, vous avez pas le choix. N'hésitez pas. Le lien est toujours sur le chat visible. Vous cliquez dessus. Et on est bon. On est à combien? Est-ce qu'on peut me faire un petit 25 à 40 minutes à 160, Eric? Merci beaucoup, chérie. On va checker tout ça. De toute façon, on a un œil dessus. Le date est sur le chemin. Le but, c'est de pécho, donc on va pas rater la recette quand même. Ça serait ballot. Alors. Ouais, je sais, je vais baisser. Alors. Bien. Alors, chérie nous dit 25 à 40 minutes à 160. Ouais, bah ça peut être 30 à 180, chérie, je suis désolée. On fait chacun comme on veut. Moi, je mets 180. Voilà. Et je regarde avec le couteau si c'est croustillant. Alors, on nettoie. Il y a plusieurs écoles. Donc, okay. C'est l'école de la maroufle. Hey, voilà, putain. Alors ça, les amis, n'hésitez pas. D'ailleurs, qui a des points là sur le chat? Allez, un petit mot interdit. Alors attention, normalement, le mot interdit cette semaine,
Hein. C'est pas moi qui mange du piment, parce que d'habitude, il y a un mot interdit, si on le dit, c'est « je mange un piment ». Et franchement, ma mère a peur. Odette. Ouais, Odette a peur, elle en a marre que je mange du piment. Donc du coup, à chaque fois qu'on prononcera le mot interdit, tu devras nous révéler une petite anecdote. Enfin, je te poserai des questions et voilà, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Super. Ouais, c'est comme ça. Très bien. Alors attends, je finis de nettoyer quand même. Oui, alors attends, parce que là, ça, on va le rincer. Ouais, ça aussi. Let's go. Bonjour, bienvenue à... Ok, d'accord. Quel est-il ? Ok, c'est le mot. Moi, ça va, ça devrait bien se passer. Alors. Ok, les amis, on est pas mal, on est pas mal. Ah, d'accord. Okay. Alors, on est pas mal au niveau du nettoyage ? Ouais, au niveau du nettoyage, on est plutôt pas mal. Je vais sortir des nouvelles planches. Hop. D'accord, ok. On est pas mal, oui. Wow. Tu peux bander mon truc là, hein ? Voilà. Nouvelle Donc. Planche. Nouveau joueur. Ah, moi j'ai une planche un peu plus petite. De toute façon, les blancs poulets, on va pas les couper. Enfin, tu vois, c'est pas... Ouais, ça va, c'est bon. Voilà. Team d'Amido, Soy Chérine, moi je mets à 180 pendant 30 minutes. Voilà. Les amis, il n'y a pas merci, de problème. Merci la team d'Amido, merci. Tu as nettoyé la tâche brûlée, bravo, merci Chérine. Alors, elle n'a pas été nettoyée, elle a été poncée, parce que ouais, ça a intégré le bois très très sévère. Alors, pouvons-nous récupérer les blancs de poulet ? Les blancs de poulet, please ! Oui, oui. Nous allons installer les ingrédients. Ok, on y va. À savoir les œufs, la chapelure, les petits bols pour tremper les machins, là. C'est ça. Farine et hop. C'est là-dessus qu'il y avait du lait, il y avait du lait de coco, hein. Oui, pour la sauce avec ouais, l'oignon. C'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Balle au centre. Salut à toi, j'ai pas dit bonjour à Jesse Le Rhin et Fendici. Welcome à toi. Ouais, tout est là, merci. Alors, tu viens d'arriver et il faut que tu saches que là, on est sur un live spécial. On est sur un live spécial aide, on fait des appels aux dons. Ouais, c'est comme ça. N'hésitez pas. Le lien est encore visible. Est-ce que vous le voyez ? Le lien est encore visible, vous cliquez dessus, vous faites des dons. Vous faites des dons pour aide. Alors, je vous donne un petit récap. Ouais, bah oui, je suis obligé de donner texte quand mais même. On est obligé parce que de toute façon, on part pas de la cuisine et on n'arrête pas le live tant qu'on n'a pas 7005. Ouais, tant donc qu'on ça a m'arrangerait pas... que ça soit bientôt. Il y a la finale de Top Chef. Ouais, en plus, il fait chaud donc c'est vrai que moi, au final. Mito, il y a la clim. Ouais, totalement que... pas écolo. Alors, s'il vous plaît, je peux rester sur mon texte. C'est pour ton confort. Ah, oui. Alors, donc on est sur l'événement Faites l'amour, un événement qui a eu lieu tous les ans. On est sur un live solidaire pour soutenir l'association AIDS dans la lutte contre le sida, donc on est en compagnie de Valérie D'Amido, ça c'est bon, on le sait, hein. On le sait, on la connaît quand même, et donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouvez dans le chat, vous faites des dons, on est à combien ? On dit quand même le score, on est à 280, est-ce que je lis bien ? C'est ça ? 280, on me valide tout ça. Ok les amis, pour avoir un peu plus d'informations quand même sur tout ce qui se passe en ce moment, sur les avancées et tout, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous êtes chaud pour le quiz, les amis ? On est chaud pour le quiz. On est chaud pour le quiz. Alors attention, les amis, c'est un quiz. Là, on déconne pas. On est sur un quiz technique. Ah, alors ouais, on y ouais. va. Alors, let's go. Je vais chercher mon petit quiz, tu vois. C'est comme ça que j'y vais. On est sur une personne... Ouais. On est sur une personne... Qui comme... va chercher son quiz sur Je vais chercher mon quiz, comme ça. Tac. On y est. Alors, je... Ok, alors à tous les amis qui ont plus de 50 ans, oui, bonjour. Voyez, alors... vous n'êtes pas seuls, même les jeunes galèrent avec les ordinateurs. Alors Eric, il est où ce quiz ? Le quiz, il est là, le voici. Alors le quiz, alors c'est un quiz spécial AIDS, bien sûr, parce que c'est la thématique du jour, on est d'accord. Alors on va, c'est un quiz qui est tranquille. On est sur 5 questions et je vais vous donner des éléments d'information parce que là, quand même, faut pas déconner. Ouais, on a plusieurs tablettes. Ouais, tu vois, il y a du budget quand même. On n'est pas là pour déconner. Et donc, on y va. Alors, je vous balance le quiz, les amis. Vous allez pouvoir voir ça normalement. On vous envoie les règles. C'est parti. Alors,
Bravo, moi je ne galère pas, je suis vieille, il maîtrise moyennement. Ok, merci beaucoup. Merci pour le soutien, Chérine. Chérine qui est là. Oh, ça va, c'est, elle a mon âge, elle soutient. Ok, c'est bien. Ok, d'accord, on commence. On commence le jeu. Alors, combien de moyens de prévention existent-ils? Est-ce qu'il y en a deux, genre le double préservatif? Est-ce qu'il y en a toute une palette, 5? Est-ce que c'est 1, le préservatif, la base? Et ou sinon, est-ce que je ne connais pas? Est-ce que vous n'en connaissez pas? Il y en a plein, des moyens de se protéger. Bah oui, si, quand même. Ah oui, moi je laisse le chat répondre. Je ne donne pas d'indice. Qu'est-ce que tu en... Oui, en tout cas, toi, tu as... Alors, de rien, mon chéri, je soutiens Valérie. Merci beaucoup. Force aux meufs. Mm-hmm. Alors? Je vois que c'est organisé. Alors attends, on laisse quand même le temps aux gens de répondre. Moi, quand à même. Titre personnel, je dirais toute une palette. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais après, peut-être que je me plante, hein, les gars. Comptez pas sur moi, je suis peut-être pas... Mais je pense qu'il y a toute une palette de moyens. Mm-hmm. Vous en pensez quoi dans le chat? En tout cas, je révèle la réponse. Toute une palette, ils disent. Ok, on est... Alors, il y a des gens qui étaient quand même sur le double préservatif, qui est une légende urbaine. Attention, ne c'est faites pas ça. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien, et ça fout le bordel plus qu'autre chose. Alors, je vais vous donner tous les moyens qu'il y a. J'avais dit qu'il y en avait 5, parce que la bonne réponse, c'est toute une palette, 5. Il y a le préservatif interne ou externe qui permet de se protéger ainsi que ses partenaires du VIH et des IST. Il faut les changer à chaque fois entre chaque rapport. Ah bah. Office. Ou orifice qui, ou partenaire. Qui est le teubé qui garde le même préservatif? Non, on est dans la formation. Non, on est dans le jugement, les gars. Non. On est dans la formation. Pardon, mais qui garde le même dos pour plusieurs rapports? Mais de quoi on parle? Les économies. Mais les économies, oh, quoi mais ça va pas, non? Non. Okay. Non, on change évidemment de quoi on parle. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Donc, te casse pas la... Tu te calmes. Ok, c'est que la première question, hein. Waouh, il fait chaud. Ok, il y a le TASP, alors Treatment as Prevention. De nos jours, une personne séropositive ne transmet plus le VIH. Ça, il fallait le savoir quand même. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Grâce à son traitement, sa charge virale est indétectable. Aucune transmission de virus n'est possible. Oui, et ça, ça fait partie des trucs que je voulais dire tout à l'heure, des préjugés. On pense que les gens séropositifs sous traitement peuvent continuer. Non, ils ne peuvent pas transmettre puisqu'ils sont sous traitement. Exactement. Il y a aussi la PrEP. Alors, attention, là, je vais le dire tranquillement. Prophylaxie pré-exposition. Au quotidien ou à la demande, la PrEP est un médicament préventif que peuvent prendre des personnes séronégatives avant des rapports sexuels pour éviter une contamination au VIH. Ouais, ça c'est très important quand même, ça je savais pas. Moi je suis en train de prendre des infos là, je connaissais pas. Et il y a évidemment le dépistage de différentes façons par prélèvement sanguin, test rapide, qu'on appelle aussi TROD, disponible notamment dans les lieux de mobilisation de AIDS ou autotest. Et j'ai l'autotest qui est un peu simple. Elles m'ont très très bien expliqué, je ne fais pas la meuf qui s'y connaît, elles m'ont expliqué, les filles de la sauce. Ouais. Et en fait, c'est comme les tests pour les diabétiques où tu te piques tout seul et tu as la réponse tout de suite. Bah, l'autotest, c'est pareil, tu te piques tout seul et tu as la réponse. Exactement. Voilà. Et il y a aussi le TPE, traitement post-exposition, à débuter au maximum dans les 48 heures après un risque de contamination, disponible aux urgences. Là, vous êtes parés. Là, normalement, c'est bon. Au niveau des infos, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce que vous saviez tout ça? Attention, Eric, elle a un couteau qui tranche. Oui, 390. Ah ouais, on va finir en caleçon. Tu vas finir en slip. Le lien pour les dons est dans le chat. Hello, Marmiton officiel. Hello, tout le monde. Salut, Raphaël. Rafal Anza, welcome à toi. On passe tout de suite à la deuxième question. Je suis obligé de donner des informations comme ça parce que c'est très précis, c'est très sérieux. Là, faut pas déconner. On est dans la rigolade, mais quand même, restons sérieux. Je vous balance la prochaine question. Les amis, la prochaine question, la voici. Le sida et le VIH, c'est la même chose? Ah non. Ok. Alors, mouais, en première proposition, mouais, on sait pas trop. En fait, c'est un synonyme. Mmh. Bien sûr, tout le monde sait ça. Bien sûr. Ou sinon, pas du tout, mais attends, je t'explique. Pas du tout. Attends, je t'explique. Ah, bah vas-y. Bah, le VIH. attends. Non. On mâche pas mes œufs pendant ce temps-là. Hein. Ouais, voilà. Ah, elle est super déter. Faux, nous dit Fan de Médoc. Bah, on a Fan de Médoc qui est parmi nous. Bah oui, on est quand même sur des... Je suis largué, nous dit Chérine. Ne t'inquiète pas, on va te donner toutes les infos. En tout cas, j'attends que les joueurs finissent de répondre à la question. N'hésitez pas. Et je vais vous révéler ça tout de suite. Ok, donc la bonne réponse, en effet, c'était pas du tout. Mais attends, je t'explique. On va s'en charger. Il y a une personne qui a quand même dit oui, c'est un synonyme. Et il y a une personne qui a dit, bien sûr, tout le monde sait ça.
Alors tu peux te dénoncer, s'il te plaît. Non, on n'est pas dénonce comme toi. Ça. Non, parce on n'est pas comme ça. Parce que ce qu'on va t'expliquer ici, maintenant, c'est pour toi. Ok, alors, tu fais l'explication, je fais l'explication. Vas-y, je t'en supplie, moi, okay. Je bats les œufs. Je t'en supplie, on y va. Alors, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, alors, il faut le dire très correctement, est le virus responsable du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida correspond au stade ultime de la maladie qui peut survenir en l'absence de traitement lorsque les défenses immunitaires se sont effondrées et que les maladies opportunistes se développent. Exactement, tu peux vivre avec le virus, donc, toute ta vie, si tu es sous traitement, sans jamais atteindre le stade final qui Exactement. Est le sida. Ouais, surtout, ouais, si tu prends le traitement. Bien si sûr, tu et si tu prends le traitement, tu peux avoir une vie totalement normale en fait. Hein. Exactement. Tu peux pas transmettre, tu n'es pas malade donc tu n'as pas d'affaiblissement de ton système immunitaire. Mm-hmm. Et donc, oui, le VIH c'est le virus, le sida c'est le stade ultime. C'est le stade quand final. Quand tu ne t'es pas soigné et que le virus arrive. Bah, ta voix en fait, hein, parce que tu n'as pas dépisté, tu n'as pas soigné, tu n'as pas traité. Et après, n'importe quelle petite maladie qui traîne est capable de balayer, quoi. Ah oui, il y a un quiz kit, en effet. C'est super important de faire la différence. En effet, c'est pas du tout la même chose. Les amis, je vous balance, j'espère que vous prenez bien les infos. Attention, c'est très très important. Hein. Ouais, je vous balance la prochaine question. Les amis, c'est parti. C'est quoi? Alors, la prochaine question, la voici, la voilà. Non. Je m'essuie, je transpire, je suis vieille. Le virus du sida peut se transmettre par un baiser. Ça fait partie des trucs, des légendes urbaines qui continuent. Alors, bien sûr que non. Par contre, le Covid, oui. Mais pas le virus. Non, tu peux pas choper le virus du sida avec un baiser. Non, non, c'est ta dernière bafouille. Oh, bah, c'est même... C'est la certitude. Hein. C'est la certitude. Alors, dites-moi, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Non, mais on est d'accord. Franchement, je ne savais pas non plus. On y va. Alors, je révèle la réponse, bien sûr. Reveal. Oui, pas du tout. Mais genre, pas du tout. Il y a quand même un qui dit, ça dépend qui tu embrasses. Non, en fait, hein. seulement les soirs de pleine lune. Oui, bon, ça, c'était pour rigoler. Ouais. Non, ça dépend de rien du tout. Tu peux embrasser qui tu veux. Ça ne se transmet pas du tout par le baiser. Non, ça se transmet quand tu baises et que tu ne te protèges pas. Ça, oui. Ou par le sang. Et ça, bah, c'est un autre débat. Mais ça ne se transmet pas Alors, par le baiser. Il n'y a pas de transmission ni par la salive, ni par la toux, ou ni par la sueur. Attention. Non. Les modes de transmission sont la voie sexuelle, sanguine. Et par le lait maternel. Oui, le lait maternel aussi, ce qui paraît logique. Hein, puisque... En effet, c'est de cause à effet. On y va, les amis, on est sur la quatrième question déjà. Elle va me taper, non, fais gaffe. En plus, elle va te trouver, non mais moi je fais pas le malin. Ah, c'est toi Rafal qui a mis cette connerie. Waouh, ok, d'accord. En soirée, tu as pécho, tu l'as fait sans préservatif et tu stresses un peu. Que faire? ATP, ouais. Bah écoute, on l'a dit il y a 5 minutes. Mais ouais, mais non, il y a déjà. Bah quoi? Mais il y a des gens qui sont arrivés au milieu. Ah, ah bah oui, ils avaient pas toutes les infos. Alors je ne sais pas que alors, est-ce que proposition numéro 1, est-ce que tu fais un TPE? Est-ce que tu flippes dans ton coin? Est-ce que tu ne fais rien parce que tu prends la pilule? Est-ce que tu ne fais rien parce que c'est ta première fois et qu'il n'y a pas de risque? Alors c'est un peu comme les filles qui disaient ouais, mais c'est la première fois que je fais l'amour donc je peux pas tomber enceinte. Bah oui. Bah c'est exactement pareil. C'est la première fois. Au spoiler alert, ça ne marche pas comme ça. Bah ça ne marche pas comme ça. Hein. Mm-hmm. Oui, la première fois que tu fais l'amour quand t'es une fille et que tu fais l'amour avec un mec, tu peux tomber enceinte. Oui. Et oui, si tu fais l'amour avec quelqu'un qui est porteur du virus et que tu ne t'es pas protégé, oui, tu peux l'avoir. Dans ce cas, tu fais... Alors, un TPE, les amis, tu fais un TPE, un traitement post-exposition ou traitement d'urgence qui correspond mieux à la situation. Oui, en effet, c'est ça quand même. C'est ce qu'il faut faire quand on est dans ce genre de situation. Comme ça, on évite justement de flipper dans son coin. Exactement comme la pilule le lendemain. Quand tu penses que tu es enceinte, il y a la pilule le lendemain. Là, c'est un traitement qui est un peu plus long que la pilule le lendemain, mais c'est une solution qui est quand même hyper intéressante. Exactement. C'est-à-dire que si tu flippes d'être contaminé et que tu es comme ça et que tu n'oses en parler à personne, c'est dommage parce qu'il y a quand même un traitement magnifique qui t'aide à t'en sortir. Alors, comme disait ma mère, c'est comme mire, une seule goutte suffit.
Mais elle a raison, ta mère Blondie. C'est une seule goutte suffit, exactement. Une seule goutte suffit, et ce qui est bon, c'est que grâce au spoil que tu as fait, 12 personnes ont répondu la bonne réponse. Merci à toi. Bien sûr, on passe à la dernière question, les amis. Attention, là, c'est le moment de faire sa percée du peloton. Là, on peut sortir carrément. On peut sortir du peloton, on y va. Existe-t-il d'autres éléments à protéger avec un préservatif lors d'un rapport? Attention, oui, et alors il y a les mains. Est-ce qu'il faut protéger les mains? Est-ce qu'il faut protéger les sextoys en cas d'échange entre partenaires? Alors oui, il y a eu un problème au niveau du texte. Ne se prononce pas, ou les coudes. Moi, je juge pas les pratiques. Je juge pas les pratiques. Les coudes, c'est pas une muqueuse. Hein. Donc, tu n'as rien à craindre. En revanche, les sextoys, si tu les échanges, ça a touché d'autres muqueuses, d'autres endroits. Donc, oui, les sextoys, je dirais. Je peux dire que c'est une bonne réponse quand même, oui. C'est une bonne réponse. Là, on est plus sur des IST, attention. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, oui. Mais il faut quand même faire gaffe, les amis. Faites gaffe, 395€. Les amis, je révèle la réponse. On y est, ouais, 8 personnes sont tombées dans le vrai, bim bam boum. J'espère que vous avez eu pas mal d'infos. En tout cas, on va vous en donner d'autres au fur et à mesure. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de l'aide. Exactement. Voilà. Et là, très bien fait. C'est blindé d'infos. C'est blindé d'infos. Et c'est pas chiant. Attention, parce que souvent les gens disent, il y a un site où il y a des infos. La torpeur. Exactement. C'est hyper bien fait et c'est hyper intéressant. C'est hyper bien renseigné, mais c'est pas relou. C'est-à-dire que tu peux te documenter sans te dire, j'ai pas compris le mot là. Ouais. C'est vachement bien fait. Voilà. Exactement. Les amis, je vous donne le résultat final. Eh bien, nous avons Gringo Muchos qui est numéro 1 avec 102 000 points. Grand Contact qui est juste derrière, contestant 12, qui est à la 3e place, Emog 13. À la 4e place, Swan de Médoc qui avait découvert qu'il y avait Quiz Kit juste en 5e position. Michael Turbo V12. Là, on est quand même Michael Turbo V12. Michael Turbo V12. C'est pas très V12. Écolo, V12. Hein. Numéro 6. Et c'est Adrator. Et numéro 7, merci à tous d'avoir joué, les amis. J'espère que vous avez eu des informations. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses quand même. Hein. J'ai appris plein de choses. Bonjour. On y va. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, les amis. Je remets le chat en... Voilà, là, on est bien. Ah, là, oui, c'est, là, un c'est peu bien gros. Pour une personne de mon ouais, âge. Ouais, là, c'est bon. Alors, oui, Eric n'esquive pas ce qui se passe. Il se passe quoi à 500, non? À 7500. On a dit 7500, on n'a pas dit à 500. 500, faut quelque chose. Ah, 500, il montre un abdo. Non, ça va. J'ai pas travaillé les abdos là, j'ai pas travaillé. Ah oui, on peut faire un gang sign, tu peux faire le signe. Allez, à 500, Valérie fait le signe de Joule. Grave. Voilà. À 500, je fais le signe de Joule. Voilà, ça et par ça. Contre, je ne chante pas de. 505 un abdo. Laisse-moi tranquille avec mes abdos. Farah. A très envie de voir tes abdos. Ouais, je crois. Tu vas me couper chaque blanc. On va passer au poulet croustillant. Ouais, on passe au poulet croustillant. Mimi, tu coupes ça, chaque truc en trois. Ok, c'est parti. D'accord ? Comme ça, là. Tu vois, ça me fait trois petits bouts. Let's go. Que l'idée, en fait, je t'explique, c'est quand même de, ensuite, quand ça sera frit, ouais, de le tremper dans la sauce et de le manger avec les doigts. Allez. Donc, il faut que ça soit quand même... tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, exactement. Donc, en trois parties. Coucou à une personne que j'ai déjà vue en vrai. Joe et Dragon, donne-nous plus d'infos. Là, je sais pas, est-ce que c'est... Joe et Dragon, tu peux nous dire qui tu as vu en tu vrai? Tu connais un Joe et Dragon? J'ai un dragon tatoué sur mon corps, mais je comprends pas que c'est Joe et Dragon. Tu as un... Alors, première info, ça, il faut quand même le savoir. Tu as un dragon tatoué sur ton corps. On bah, est il est là. Ah oui? Oui, je regarde. Ok, d'accord. Pas mal. Combien de tatous? 1, 2, 3, 4... Ah oui, quand ça. Même, ouais, t'es blindé. Alors, en tatou. Je peux pas me foutre à poil, mais là, j'ai un énorme tatou okay. Que ma fille a dessiné. D'accord. Et là, j'ai un énorme tatou, c'est la carte de la force. Ouais, la j'adore carte de la le, force. Le tarot et c'est le... Voilà. Ok, j'étais en train de me dire, t'as la carte de la force, mais Star Wars, on n'a jamais montré la force. Voilà. Le non, geek, par contre, mon prochain tatouage, c'est le... Je vais le faire ici, c'est le symbole de la rébellion, tu sais. Ok, pas mal, pas mal. Ah, très bon, très bon. Tu suis des séries? Je suis à mort. Ok, il faut quand même qu'on... Alors, je vais pas dire le mot interdit, parce que le mot interdit, c'est ce qu'il y a dans le four. Faut pas le dire. Regardons si c'est croustillant. Ouais, je vais voir si c'est... Regardons si c'est croustillant. Ça sent bon, en tout cas. Hein. En tout les cas, gars, vous trouvez pas que ça sent bon, là? Ça sent bon. Non, c'est pas bon du tout, là. Allez, hop. Non, ça sent bon. Oui, mais c'est pas encore bon. Tu peux laisser croustiller. Alors... Tu peux laisser croustiller.
Les gars, on a préparé un bol avec des œufs battus. Yes. On a préparé un bol avec de la noix de coco en miettes, là. Ok. De la pelure, de la chapelure. Ok. La chapelure, ouais. On a de la chapelure ici. Voilà. Et alors, oui, ouais. T'avais un élément. Un new challenger, tu l'as dit déjà ? Le coco. Ah oui, tu l'as dit, ouais. Voilà. C'est... Ouais, et de la farine. Et de la farine, ouais. Donc l'idée, je vous explique. On va prendre un plat qui va au four. Même, même principe. On est sur une panure. On est sur une panure à l'anglaise. On est sur une panure à l'anglaise, je ne sais pas. Ouais, si la panure à l'anglaise, c'est trois bains. Est-ce que ça te suffit ? Bah, je pense. On sort la poêle parce qu'avant de les mettre au four 5 minutes, on les fait frire dans la poêle à l'huile d'olive. Let's go. Alors, l'idée, faut pas se planter. Il y a un ordre. T'as pas plus grand ? Ou t'en as pas deux ? J'en ai deux. Voilà, chacun a la sienne, comme ça on est bien, t'entends ? Ok. L'idée, les gars, on prend le blanc de poulet. Yes. D'accord ? Ouais, on prend le blanc de poulet. Ah, d'accord, faut que je fasse ça. On prend le blanc de poulet. On le trempe dans la farine. Ok. On le. Voilà. Il pourra revenir. On verra si elle m'autorise à revenir sur le prochain live. Je suis pas sûre. Ça, si on arrive à 7100. Ok, vas-y, trempe-le dans la farine. Je trempe dans la farine. Roule-le dans la farine. Ouais, je le roule dans la farine. On dirait une chanson de ma petite. Trempez-la dans l'eau. Trempez-la dans l'huile. Voilà. Alors, ensuite. On passe à l'œuf. Exactement. Mais yes. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que t'es fort. Merci, je m'entraîne beaucoup. Donc on trempe dans l'œuf. Ouais. Clic-clac, direct dans la chapelure. Ok. Là, on le roule vraiment bien dans la chapelure parce que c'est l'élément important du okay. truc. Ok. D'accord. Là, ça sent le double bain. Le double bain de quoi ? Voilà, non, mais je... Tu veux qu'on partage le... Tu veux qu'on baille ensemble le blanc ? Ok, vas-y. Où est l'huile d'olive ? Parce qu'il faut la mettre à faire. J'arrive. Non, mais je peux le faire toute seule. Hein. Ah. Je peux aider. Ok. Alors, le gars fait tout. Moi, j'adore ce gars. C'est-à-dire qu'il fait tout. Ouais. Il demande pas d'aide. Et après, il dit oui, je peux le faire. Moi, je peux aider. Attends, quand même. Il fait tout, le gars. Il est très fort. Ok. Donc, ensuite, après la chapelure, tu peux y aller. Il en faut beaucoup. Vas-y, là, on y va. Il va me falloir un stock d'huile d'olive. Ah, là, il faut la taille. Ah, bah, c'est de la friture, mon chat. Ah, là, on y va. Là, tu peux y aller. Faut vraiment que la poêle soit remplie. Donc, si t'as que ça comme huile d'olive, on est dans la merde. Non, tu peux mettre ça dans une. Alors, attends. Bah, on va chercher une cruche. Tiens, non, voilà. Non, regarde. Pourquoi une cruche ? Ah, là, là. Voilà. Ah, et oui. Voilà. C'est pour ça que je cache habilement. Avec mes mains. Les étiquettes, voilà. Vas-y, faut que ça soit vraiment un fond, enfin le fond de la poêle, faut vraiment, comme c'est de la friture. Ouais. Tiens, plus. Comme tu es très. Vas-y, verse-le là-dedans, comme ça chacun ça. Vas-y, hop. Ouais, là j'en ai plus moi. Encore, tu peux y aller. Oh là 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 là, vas-y. Vas-y, on il n'a pas assez chou. On est parti pour une deuxième salve. Hein. Une deuxième salve ? Ouais. C'est-à-dire ? Bah, faut y aller là. Hein. Ouais, on y va. On y va, ouais, alors je vais. Va chauffer, gars. Non, mais je suis là. Préalablement, on fait chauffer de l'huile d'olive et hop. Bah, faut. Vas-y, hein. Hop. Allez, t'en remets un peu là bon, et écoute, un peu là. On va tourner. Voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Hop. Non, qu'est-ce que tu fais ? Je cache là. Ok, tu caches. Ok, on y va. On voit pas. Oui, c'est bien fait, c'est des effets spéciaux, c'est la télé. Préalablement, on fait chauffer. Stop, oui, ça va, là. Ouais, bah ça, écoute, je sais pas, tu me dis pas stop. Oui, mais d'accord, oui, bah, je te dis pas stop, j'avais pas les yeux sur toi. Ah bah écoute, c'est bon. Peut-être que je partage un peu, non ? Ouais. Voilà, il y a de quoi partager. Vas-y, partage. Stop ! C'est bon. Vas-y, mets à chauffer. Oui, je rallume la plaque, je rallume. Les deux. Hé, deux secondes. 15 000 personnes qui me parlent en même temps, ça va très bien se passer. Ah oui, c'est vrai, alors pardon, c'est vrai que les mecs sont monocanal. Ça, c'est nul. Bah c'est vrai. Ça, c'est nul. Pardon, mais... Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Les mecs sont monocanal. Excuse-moi, est-ce que tu peux me ramener le truc et le truc ? Hein ? Et le truc qui est sur ton chemin, hein ? Ouais, mais c'est parce qu'on pense à... Oh, et puis merde, hein, j'ai pas envie de... Bon, ça va. Bah, excuse-moi, mais nous, on est capable de répondre au téléphone, de lancer une lessive, de repasser un dos, et de répondre aux gosses en leur disant « Non, les jeunes, c'est pas 8 x 8 !» Non, alors, ça va. Les gars, vous êtes mono-canal. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Donc, je vous rappelle, on est sur un live spécial. On est sur un live féministe. On a quand même... Oui, on est sur... Non, on n'est pas sur un live féministe, mais on est... je vais pas aller dans cette histoire. Tout ce que je voulais faire, c'est rappeler qu'il y avait le lien qui était dans le chat. Les amis, n'hésitez pas à faire des dons. On approche, on est à combien ? On est à
C'est bien 395 que je vois ? Ok, c'est le bon chiffre, c'est le bon chiffre. On avance vraiment pas mal. Mais vachement bien. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui veulent nous voir en sous-vêtements. Et si vous voulez nous voir en sous-vêtements... Un abdo, un seul. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi... si vous voulez nous voir en sous-vêtements, va falloir y aller. Va falloir y aller, en tout cas... Ah, faut donner, les gars. Faut donner, mais en tout cas, merci déjà pour tout ce qui se passe. Les amis, un petit rappel, quand même. Allez, je vous fais un petit rappel. Nous, on fait une chose bien, vous faites 10 choses mal. D'accord, Raphaël Hanza, donc merci pour cet avis. Je ne sais pas si je partage, tu valides, toi tu valides ? Moi je valide tout ce que disent les filles. Voilà, il faut savoir que dans le studio nous sommes largement en minorité, tout comme dans l'équipe de Marmiton, je tenais à le dire. Hein. Voilà, je balance tout, allez on balance, on est deux mecs dans le studio, versus 1, 2, 3, 4, 4 nanas, donc je vais pas faire le malin. Non, pas je vais trop, pas non. faire le malin. Surtout qu'on est dans une cuisine, il y a des éléments contondants. Voilà, on va rester vivant et dans la bonne humeur et dans le partage. Surtout que là, on est sur un live solidaire, donc on va pas foutre le bordel plus que ça. Oh, allez. Tout de suite, les grands mots comme ça, on mettait le bordel. On est donc dans un live solidaire pour soutenir l'association AIDS. Ok, aujourd'hui, le hashtag c'est Faites l'amour, un événement qui a lieu tous les ans. Alors, vos dons vont pouvoir financer des actions de prévention et de dépistage à vous et vos dons. 2030 sera sans sida. Pas assez chaud. C'est l'objectif. Pas assez chaud. Non, mais ça chauffe. Pas assez chaud. T'as allumé les deux plaques ? C'est quand même quelque chose, hein. Là, on est à la limite de se faire engueuler. Vous avez entendu la tonalité ou pas ? La tonalité, là, on n'était plus dans dans l'équipe présentation. C'est t'as allumé les deux plaques ? Vraiment, genre, je connais cette intonation. On a lavé du poulet ensemble, on a battu les œufs. T'as allumé les deux plaques ? Oui, j'ai allumé les deux plaques en plus. Regarde, un 8 et un 5. J'augmente de 3 ici pour être à égal. Ouais, voilà, 8 et 8. Pourquoi il y en a un qui est moins que l'autre ? Parce que je suis une femme. Je suis en sueur. Raphaël, moi j'ai peur de Valérie. Enfin, mais oui. Tu fais bien. Tu as bien raison. Alors... C'est un festival. Regardez-moi, ça, c'est de l'art. Hein. C'est un espace... Non, et c'est le bordel parce que... Pardon, mais quand on fait la cuisine, il faut les bons accessoires. C'est hyper joli et hyper gracieux, vos petits saladiers, là. Mais forcément, quand tu dois rouler des doses dedans, ça déborde. C'est mignon, hein. Okay. C'est élégant. C'est mignon, c'est bien présenté, c'est bien fait, mais c'est pas... C'est pas fait pour cuisiner. Ok, d'accord. Non, alors... Tiens, je vais mettre ça ici, moi, si j'ai envie de participer. Non, mais je crois qu'on va partager, on va faire 4 et 4, parce que sinon, ça va être la merde. Ouais, ça va être blindé, ouais. Ça, on va le garder, on va le faire pour nous, on va... Mais... Sur le côté. Hop. Je pense que sinon, ça va être le bordel, mon chat. On y va. Pauvre qui se fait engueuler. Ouais, on est d'accord, Chérine. On est d'accord. Est-ce qu'on peut mettre ça au frigo, please ? Non, c'est pas assez chaud. Thank you very much. C'était le thank you very much de Elvis Presley. Bah, il fallait le reconnaître. Il était un peu complexe, celui-là. Voilà. On laisse tout à portée de main, on sait jamais. Si on doit rouler un petit coup, voilà. On vérifie quand même ce qui se passe au four. Attends, ça, c'est quoi, ça ? On vérifie ce qui se passe dans le four, mais je vois d'ici que c'est pas bien grillé. Ouais, j'allume juste la lumière pour... Oui, en effet. Oh, ça commence à... Ça commence. Mais ça ne fait pas totalement 30 minutes, tu vois. Ouais, ça fait pas totalement 30 minutes, surtout quand je fais mes brioches en 3 jours maintenant. Eric, je lui prête ma cuisine. Elle va me faire un carnage. Mais non, je ne ferai pas un carnage dans ta cuisine, Chérine, si tu as les bons accessoires. Et de toute façon, je vais nettoyer, de quoi on parle. Attends. Faut pas déconner. Dis donc, Chérine. On est quand même à 405 euros. Ah ! Encore 100 euros et il y a un abdo. Non, bah, je le rappelle, hein, pour toutes les femmes et les hommes qui viennent de nous rejoindre. Ah, je ne valide pas du tout. Bienvenue à toi, Olivier. Bienvenue à toi, jeune follower. Alors, sache qu'à 505 euros, Eric, ici présent, les abdos, nous là, montrera encore un abdo pour la joie des Twitchers. Non, je ferai un flex de folie, mais pas d'abdos aujourd'hui, les amis. Je vous montrerai les abdos à la rentrée. Non, mais là, je suis en plein travail, tu comprends. Et puis mon coach, et puis nanani, nanana. Trop d'histoire. Il y a quoi dans le four qui cuit Non, voilà. Alors, bienvenue. Alors, on va passer aux questions, hein, parce que... Non, c'est pas moi qui ai craqué. Non, c'est moi qui ai voulu c'est faire craquer voilà. Exprès pour l'embêter. Non, on va commencer par une. Alors, je pense que là, on va pouvoir faire frire le dos. Fais voir. Pas mal. À côté, par contre. Ouais, l'autre, il n'est pas encore. Mais t'es sûr que c'est du bon côté, là, que tu l'as mis hein. Je l'avais mis en bas. Tu l'as bougé Non. Ok. Je vais augmenter un peu pour rattraper. Genre, j'ai bougé le truc.
Je sais pas. Non, c'est bon là. Moi, ça va, ça chauffe bien. Non, là c'est. Alors, c'est je vous dis, hein, parce que n'achetez jamais ces trucs à induction. Pour la cuisine, c'est de la merde. Mais non. C'est de la merde. Il faut cuisiner au gaz. Écoute, pour rissoler, pour cuire, c'est de la merde. Les plaques à induction, c'est de la merde. Voilà. Bonsoir. Donc là, on est en. Et là, les fabricants de plaques à induction me détestent. Non, c'est pas. Alors, moi, je partage pas totalement ton avis parce que. Parce que t'es hypocrite. Non, parce que je m'en sers. Non, parce que j'ai la même chose. Mais à pour la maison. Quand tu aimes vraiment cuisiner, il faut cuisiner. Ah, là, ok, d'accord, ok, on est comme ça. Donc, je vais te poser une question. On commence. Vas-y. Sur une note de 1 à 10, comment tu estimes le pouvoir de séduction de la crème fouettée et pourquoi? C'est calme, pour l'instant c'est calme. Alors, la crème fouettée, moi je dirais un petit 7. Ouais. Parce qu'on peut mettre la crème fouettée un peu sur voilà. Les parties du corps qu'on a envie de lécher. Exactement, oui. J'aime bien, 7 c'est pas mal. 7 c'est pas mal. Vous donnez une note de combien à la crème fouettée, les amis? Induction, c'est bien tout de même, nous dit non, Chérine. Non, Chérine, c'est pas bien. Bah, Chérine, tu peux pas dire pense... ça, Chérine, tu as mon âge, tu es de ma génération. Tu ne peux pas me dire que la cuisine à l'induction, c'est bien. C'est le diable. Il y a un débat, hein, en effet, lancé sur la cuisson. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire des dons parce que c'est ça le véritable. C'est pas mal. Oh putain, j'ai la chose. Oh là là, on y va. Je ne serai pas contre le fait. Let's go. Est-ce qu'on peut remettre le lien, s'il vous plaît, dans le chat? Yes. Parce que je vois qu'il a disparu. Disappear. Faut bien savoir s'en servir. Tu iras voir mon Insta sur l'induction. Ah ouais, tu fais ta pub carrément. Alors, Chérine est fabricante de plaques à induction. Je crois qu'elle est fabricante de plaques à induction. ok. Valérie, contre le lobby de l'induction, fan de Médoc, oui, on en est là. Ok, on en est là. Donc, chaud instantané et froid instantané quand tu veux. Let's go. Alors. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, tu m'as parlé quand même de double cuisson. Oui, on va faire frire dans la poêle. Et c'est là où j'ai dit, c'est de la merde l'induction, parce que là, ça frit pas vraiment, malgré que ça soit chaud. C'est pas grave. Mmh. Et ensuite, on va mettre sur la plaque du four une petite feuille d'aluminium. Ok. On va reposer les petites choses quand elles seront bien frites avec... On va repoudrer de noix de coco et on va mettre 8 minutes au four. Ok, let's go. C'est parti. Mais en fait, ça va aller super vite. Ça va aller super vite. Donc je mets à chauffer ça, d'accord ça Ah, on n'a pas le droit de s'en servir, celui-là Celui-ci, si. Attends, on a le droit de s'en servir. Celui-ci, ça va très bien se passer. Ça, on va le faire chauffer. Ah ouais, mais pour ça, il faudrait qu'il soit branché. Ah, il n'est pas branché. Il n'est pas branché. Ah, non, mais en fait, on va servir... Bah, tant pis, on va sortir le crumble. On va servir du four à crumble. Le four à crumble. Yeah! Ah, tu l'as dit! Alors, c'est quoi le gage? Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais attends, tous les gages sont pour elle aujourd'hui. Hein. Moi, moi j'ai rien du tout gage, moi je fais la cuisine. Alors, c'est quoi le gage? Mange un piment. Ouais, bon, moi j'ai mangé un piment. Oh non, c'est vache de manger un piment, c'est une. Non, ça va, on commence à avoir l'habitude. Non. Il faut montrer à fond la température, merci. En tout cas, bienvenue à toi, Navglad. Bienvenue sur le Touch de Marmiton, on est sur un live spécial, merci. Les ouais, alors voilà, voilà, t'en fous partout. Voilà, bravo, c'est ça que tu voulais faire, hein? Merci. Ok, on va avoir chaud dans quelques instants, les amis. Voilà, j'ai eu mon gage. Merci. Alors oui, pour les gens qui viennent d'arriver, on est sur un live spécial pour dire solidaire. Oui à l'amour et non au sida. Ouais, c'est un live solidaire. Solidaire pour l'association AIDS. On fait des appels aux dons. On est déjà à 400... J'arrive pas à lire d'ici. C'est terrible de vieillir. La vieillesse, c'est un naufrage. Ouais, pourtant, tu vois, j'ai des lunettes. Combien? 415, on vient. Encore 85 euros et Eric nous montrera un abdo. C'est vraiment pas du tout ça, non mais c'est vraiment pas du tout ça. Non mais en plus, je... Voilà, on y va. Les gages, un flex avec deux bras et deux verres d'eau. Eric, c'est comme les comédiens américains où quand genre Jason Statham, quand il va faire une scène un peu où il est en torse nu, car Jason Statham vit torse nu, ils font des pompes. Ouais, c'est vrai. Pour que le muscle gonfle. C'est vrai, c'est vrai. Ils se proposent, tu t'allonges ici, fais des pompes, et quand on arrive à 500 balles, hop. C'est pas du tout prévu. Je voudrais avoir une conversation avec la direction juste après le live. Oh là là, ça y est. Non, mais je ferai un flex. Pour les abdos, je suis pas encore prêt. Mais je ferai un méga flex. Ça chauffe pas du tout, chaton. Ça chauffe pas du tout. Ma mère ne chauffe pas du tout. Et t'es pourtant sur 10. Ouais. Il faut peut-être allumer les deux plaques. Ouais, je vais allumer les deux plaques. Allez, parce que moi, ça commence bien à rissoler. Je sais pas si on voit d'ici la poêle, mais c'est pas mal. Si on peut avoir un plan dessus.
510 quoi? Deuxième abdo. Deuxième abdo, qui a dit ça? Chérine. C'est pas moi. Ok, d'accord. Je vais vérifier ce qu'il y a au four quand même. Regarde si c'est bien croustillant, croquant, tu vois. Ça a l'air pas mal. Là, on est ouf, sur, ouf. On est sur une couleur pas bon, encore bon, totalement. C'est pas, ouais. C'est pas dégueu, mais c'est pas ça. C'est pas encore ça, ouais. C'est validé. Alors, est-ce qu'on peut faire... Attends, il est quelle heure, là? 18h23. 18h23? En fait, le temps passe super vite, j'avais pas vu. Je pense qu'à 500 balles, la chaleur va monter, ça va frire tout seul. Tu veux dire, tu me suggères que je fasse frire les poulets sur les abdos d'Eric? On se calme. On se calme. Oh, ça va! Ouais, non, mais d'accord. 600, on fait frire, c'est, ça devient bizarre comme recette. Hein. Parce que après, moi, je rentre les recettes sur le site de Marmiton. Faire frire le poulet sur les abdos d'Eric. Attention à pas le brûler. Attention à pas le brûler. Un Marmite chips. Un Marmite chips. Ça ne marche pas. C'est toujours pas assez chaud là-bas, c'est ça que tu veux dire? Non, okay. Mais ça commence. Ça commence, regarde. Je vois que ça frémit. Mais... Ça va, ça va. Ok, okay. Les amis, on va faire... Je vais faire 2-3 rappels quand même. Alors n'hésitez pas à aller sur le site d'Aids pour avoir des informations plus en détail sur les moyens de prévention et tout ça. N'oubliez pas, faites l'amour, mais protégez-vous cet été, c'est hyper important, et protégez-vous tout le temps, en fait, il n'y a pas que cet été. Mais non, l'hiver aussi, il faut se protéger. Ouais, ouais, parce qu'en fait, on a envie... La règle des 3B, ça marche tout le temps, en fait. Hein. Toujours. Attends, tu peux nous rappeler ce que c'est la règle des 3B? Boire, vous premier... fait baiser. Ah, boire, vous fait baiser. Ok. En tout cas, oui, si vous passez à l'action, les amis, baisez, mais protégez-vous, c'est important. Donc, on y va. Il y a plusieurs moyens. Donc, il y a le préservatif, il y a la PrEP, un médicament que l'on prend pour éviter une contamination du VIH, il y a le TASP. Traitement d'une personne séropositive, elle ne transmet plus le virus, ça il faut le savoir. Il y a le TPE, traitement post-exposition après un rapport à risque, à prendre sous 48 heures quand on n'est pas sûr, quand la capote a craqué, quand on flippe un peu. Voilà, il existe différentes manières de se protéger. N'hésitez pas à aller voir sur le site pour avoir de plus amples détails et avoir des informations sur toutes les avancées qu'on a fait aussi au niveau de la protection, parce que moi je connaissais pas tout et j'avoue que j'étais pas au courant avant de préparer le dos de tout ce qu'il y avait en. Qui avait évolué, quoi. Et je le répète, allez sur le site de AIDS. Il est informatif. Là, on est pas mal. Chiant. Informatif et pas chiant. C'est tout ce qu'on aime. Les amis, on est à 450. Là, j'ai réussi à lire. N'hésitez on pas. On est à 50 balles des abdos d'Eric. Et ça, c'est bien. On va voir les abdos. Ok. Ok, d'accord. Lien pour le don, c'est dans le chat. Le lien pour les dons. Mettez le lien pour les dons. Mais le lien pour les dons. Je suis à, deux ba... c'est je suis juste à là. Ça de mettre 70 donne... balles pour que tu. Ah ouais, carrément. Il donne de sa personne. On y va. N'hésite pas. Ok, je vais ranger un peu. Il fait chaud. Est-ce que alors, t'as... on va préparer la coriandre. Ouais, pour faire la coriandre, sauce. Ouais. Pour est-ce faire... que tu as un. Bonjour. Alors, j'ai un. J'ai ça ici. Alors, attends. On va prendre ça. Et celui-ci. Je prépare tout ça. On prend un oignon. Rouge. Alors les oignons blancs, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de goût. Chez nous, on dit que l'oignon rouge, c'est le roi des oignons. Bah oui, l'oignon blanc, ça ne sert à rien. C'est ça, tu d'accord. À moins la petite botte d'oignons fraîches pour mettre sur une petite salade et tout, mais si on sent. Est-ce que tu préfères... Bon, on peut prendre un robot comme ça directement, non? Ça te va? Ouais, pour couper l'oignon et la coriandre. Ok, d'accord. Alors la coriandre, on gâche rien. On prend les queues, on prend tout et on la réduit en petites miettes. Ok. Alors, vas-y, mets la coriandre. Attends, je vais déjà brancher l'appareil. Alors, zou, hop. Oui, mais alors, il y a différents B, chacun ses B, on va dire. Hein. Mais, ah bah ici, après, il y a des B genre balade, bridge. C'est pas mal. C'est, ouais, bagnole. C'est une autre soirée. C'est une autre soirée. Non, mais elle est pas de les mimosas. Ah, ouais, alors... Ouais. Non, tu mets tout. Ah, je mets tout. Ah, il n'y a pas de... C'est un robot, mec. Attends, on va pas se faire chier. On non, y c'est va. Pas ça, c'est que les queues de coriandre, c'est ouais. Là où il y a aussi de la saveur. Vas-y, brim, brim. Et pour ceux qui ne sont pas compatibles avec la coriandre, bah tu mets... Alors, pour ceux qui ne sont pas compatibles avec la coriandre, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne mangez pas. La coriandre, c'est la vie. Est-ce que si on met du persil plat, ça va? Ça n'a aucun goût, ça n'a aucun intérêt. Le persil, peut-être. Moi, je dirais le persil, ouais.
La coriandre, c'est délicieux. Voilà. Ok, attends ça. Alors, on a coupé ça, superbe. Non, c'est pas assez coupé. Ok. Donc ça marche le feu. Ok. 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 Alors, il est aussi possible d'aller sur le site. Ah, alors tu mets tout à la poubelle chez nous. Tu mets tout à la poubelle de mon côté. Il est possible d'aller aussi sur le site de faitelamour.org pour avoir toutes les informations sur l'événement et sur les moyens de prévention aussi. Alors, faites l'amour, c'est comme ce qui est précisé justement sur le hashtag, c'est F-E-T-E-L-A-M-O-U-R. .org, voilà. Vous allez dessus et vous allez avoir toutes les informations. Je mélange les oignons. Les oignons. Enfin, l'oignon, on en prend qu'un, ça suffit. C'est bon. Vas-y. Hop là, on y va. Je tape R, je trouve pour lutter, je trouve le sida. Ouais, c'est ça. Mets un petit peu d'huile ou d'eau pour mixer finement. Tout ça, ça m'a l'air d'aller bien, hein. Ça m'a l'air d'aller pas mal. Alors attention, est-ce qu'on alors, a une pointe? Alors, est-ce qu'on a la sauce soja sucrée? Oui. Ouais, elle est sur la... elle est juste là. Non, j'avais préparé ici. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà, attends. J'ai préparé un peu de truc. Ok, alors on a un petit... attends, un petit chose comme ça, voilà. Un petit bol. Donc, ça va être... Ouais, c'est peut-être un peu petit, ça. Bon, on va voir. J'ai arrêté, hein, parce que maintenant, on peut les... maintenant qu'elles sont bien frites... Tu les as retournées, tout ça? Ouais, j'ai tout retourné. Okay. On les met là-dedans. Let's go. Je vais le faire. Voilà. On peut mettre tout, hein? Oui, on met tout. Okay. Tu les alignes. Ok. Que Tina Ternavi sur vous, pardon, plein de bonnes choses pour vous. Attention, les poulets sur les sols. Merci. J'ai pas tout compris au niveau. Bravo pour ces belles recettes. Merci, Polo Italiano. Welcome. Que Tina Ternavi verse sur vous. On a faim. J'ai pas compris la phase sur Tina Ternavi. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Est-ce que je suis le seul à pas avoir compris ou... Non, j'ai pas compris non plus. Merci. Mais j'ai pas relevé parce que. parce que j'ai pas relevé. Ok. Je pense qu'on est bon. Alors, on a mis le lait de coco avec l'oignon émincé, la coriandre émincée, okay. La sauce soja sucrée. Yes. Laisse-la là parce que je vais goûter. Ah oui, pardon, tu me l'avais mise. Ouais, je l'avais mise. Ouais. Je vais mélanger et je vais goûter. Ok. On a faim. On a faim. Farah, je suis d'accord, on a faim, même si alors, c'est l'après-midi. On met ça vraiment... on remet un petit peu de noix de coco sur ouais. Les poulets, comme okay. Ça. Histoire de vraiment... ça va crier davantage. Là, ça, c'est ta petite astuce c'est croustillante. C'est ma astuce croustillasse. L'astuce croustillasse. Et en même temps, c'est un peu... c'est un peu un appel au voyage, quand même, quelque part. C'est un appel au voyage. Là, notre coco, on est plus sur des recettes un peu plus... des îles, on va dire. On sur la recette de l'amour, de la vie. La recette de l'amour, de la vie. Et ça, alors, ça goûte. Fait plaisir. Comment on est? On est pas mal. Mais sel, poivre. Sel, poivre. Alors, tu as... Non. Non, ça, c'est de l'eau. Ouais, ça, c'est de l'eau, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Sel, poivre, oh, ici. Quel homme. Ça, c'est bon. On a faim. Alors, les amis, n'hésitez... Le crumble, je pense qu'il est pas mal, là. Fais voir. Le crumble, je pense qu'il est pas mal. Alors, attends. Je vais remettre peut-être un peu plus de sauce sucrée. On va aller voir le crumble. Ouais. Ça fait 5 kilos. Ouais. Oh ouais, mais en même temps, excusez-moi, mais c'est un peu sadique. Le mot interdit, c'est la recette du jour. Ok, mieux ok. Il a valu trouver des mots. Attends, attends, on va passer directement à un petit questionnaire direct. Alors, je vais te poser des questions. Vas-y, vas-y. Il faut que tu répondes vas-y, du tac au tac. Vas-y. Attention, c'est le parti. Moment interview. Là, c'est parti. Est-ce qu'on est OP pour ça? Vas-y. Ok. Oui. Alors. Allez. Ok. Attends, j'attends la fin de la chanson. C'est l'interview. Attention, on s'est donné... on a 20... Allez, on va dire 30 secondes maximum pour répondre à toutes les questions. Vas-y. Et attention, la dernière, tu es obligé de donner des explications. Vas-y. Alors, tu es plus romantique ou droit au but? Droit au but. Plus chantilly ou chocolat fondu? Chantilly. Une crème fouettée ou une crème brûlée? Fouettée. Brunch ou dîner? Le deux. Ketchup ou spicy?
Bah, sauce soja sucrée. Gâterie ou gâteau? Bah, les deux. Voilà, voilà, on l'autre. Voilà, voilà. C'est bon. Merci. Je pensais pas que ça allait. Alors, oui, pourquoi l'un ou l'autre? Non, pas besoin d'explication, je pense. Pourquoi choisir entre le plaisir et le plaisir? Et voilà, c'est la bonne. On est sur la bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? On est sur la brigade du kiff. Voilà. Ok, on est bon là, on est bon. On est bon. Attends, tu veux prendre une. Ok, d'accord. On est parti. Et lien pour les dons, vous l'avez ici dans le chat, les amis. Encore. C'est bon, on peut les sortir. Allez, encore 90 euros et on voit les abdos d'Eric, nous dit Farah, cité, 10 personnes bonnes, toujours. On peut sortir les crumbles. On va sortir les crumbles. Et on va mettre le poulet. Ouais, et oh. C'est parti. Oh, c'est bon, là. Ok. De toute façon, ça, on va plus s'en servir. Non, mais on va ranger. D'abord, on se débarrasse de ça. Le crumble, ouais, mets-le là. Mais tout ça, on va l'enlever là. Ouais, mais pour que je me débarrasse de ça. Attends, alors déjà, ne t'énerve pas. Vous avez senti la montée en pression là? Parce que si je veux sortir ça, il faut que je fasse de la place. Chérie, regarde, tu le mets là. Il y a une planche. Oui, mais voilà, regarde. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé. Regarde, hop là. Non. Ah, ok, tu vas mettre les crumbles là. Laisse-moi tranquille. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Ok, let's voilà, go. Le deuxième, tu pouvais sortir les deux en même temps. Enfin, moi, c'est ce qu'une femme aurait fait, mais bon. C'est... Bref. Bah, c'est vrai. Il a deux gants, il sort un plat après l'autre, non? Non, un faut voir. Attends, non, non, il y avait des distances quand même qui étaient énormes entre les deux. J'ai pas envie de me blesser. Ok, on y va. Enfourne-moi le poulet, vas-y. Enfourne-moi le poulet. On est sur quoi au niveau de la température? On est sur du 220 pendant 5 minutes. 5 minutes, allez. 220. 5 minutes. Pendant 5 minutes. 220. Bon, ça, c'est notre sauce dans laquelle on va tremper notre poulet et on va commencer à ranger le merdier. Donc, la chapelure. 220, let's go. Le coco. Ok. On range, on range. On range. Attends, on va ranger tout ça. Voilà, en fait, il ne veut pas que je range. Oui, ben non, parce que je préfère que tu... Laisse-moi ranger. Après, il gueule, fais ce bordel. Bah oui, mais je veux bien ranger, ça, moi. Ça, c'était ma voix, ça. Oui, je suis pas imitatrice. Hein, okay, bon. Ouais. Ça, on va fermer. Je comprends, tu t'as du l'air. Non, franchement, tout va bien. Ne t'inquiète pas, chérine. C'est dans la joie et la bonne humeur. Appelez-moi Odette. Appelez-moi Odette. Attention à toi. Ça, maman. Vraiment, va-t'en. Ouais. J'ai peur que tu meurs. Voilà, il se passe des trucs très très dangereux. Parce que ça, c'est très chaud. J'ai pas du tout envie que tu... Ouais, on va éviter quand même, parce qu'on en a besoin. Attention à toi. Attention, Farah. Chaud, chaud devant, comme on dit en cuisine. Voilà. Tout se passe bien, force à toi, Eric. Oui, je sais. Non, mais ça va, la victime, là, genre. Non, mais... Moi, j'ai rien dit, moi, c'est, ouais, c'est dans le chat que non, les gens. Non, pour mais Eric, toi, tu tues, oh, Miskinou. Incroyable. Incroyable. Mon pauvre Eric, il y a eu trop de gens, mais ouais, le méchant, hein. Pour une fois, tu as Marie dans ta cuisine, laisse-la faire la mariée. Ouais, je suis d'accord. Non, mais est-ce que c'est la place d'un ordinateur à côté de la cuisine? Bah, c'est-à-dire que tu me laisses faire mon setup comme je veux quand même. Ça va, faut pas déconner. Attends. Laisse-moi faire mon setup. Mon setup. On peut dire bon travail aussi, hein. Voilà. Allez, ça, je me laisse. Et toi, t'es complice de ça. Ok, les amis, d'accord. Eh bien, c'est noté. D'accord, il y en a qui n'auront pas de crumble. Oh, tiens, putain, allez, hop là. C'est incroyable ce qui se passe. Oh là là. Ouais, attends, je te pose ça là. Mais Miskinou, il souffre. Oh c'est là là, c'est pas facile ce qui m'arrive. On s'en souviendra, les amis, on s'en souviendra. En tout cas, n'hésitez pas. En fait, la direction de Marmiton, t'as pas prévenu, mais moi, je viens toutes les semaines maintenant. Ok, d'accord. Eh bien, voilà, nouveau duo préféré d'Internet. Bah voilà, alors, tu vois. Ok, on y va. Les amis, n'hésitez pas à faire des dons. C'est dans le chat. Eh bien, t'as fait... Ouais, on va quand même vers les 420. Yes, on est bon. Mmh. Le temps de goûter. Ok, le temps de goûter. Donc les amis, on est sur un live solidaire, hein, quand même. Normalement, vous avez toutes les informations déjà sur l'écran. Et dans le chat, il y a aussi le lien pour faire les dons. N'hésitez pas, c'est des dons qui vont directement... Attendez, je reprends tout, parce que là, on est en train de nettoyer tout ça. Donc vos dons, vous pouvez financer les actions de prévention et de dépistage. Le but, c'est d'arriver à 2030 sans sida. Ok, on va y arriver. C'est un live caritatif pour soutenir l'association... Waouh, je commence à fatiguer. L'association Aide et la lutte contre le sida. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dons pour cette belle...
Bah, il y en a qui chatchent, puis il y en a qui travaillent, quoi, comme d'habitude. Donc, voilà. Un petit rappel de qui est AIDS. Donc, AIDS, c'est l'association de lutte contre le VIH, SIDA et les hépatites virales en France et en Europe. Qui ne s'attrape toujours pas quand on embrasse sur la bouche. Toujours pas, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Non. Mais en tout cas, on a eu plein d'affaires. C'est bon ? Attention, ne te brûle pas, c'est encore chaud. Bah, c'est pas ma main qui nettoie, okay, c'est l'éponge. Ok, tout va bien. Ok, les amis. On y arrive. Alors, attention, il va pas falloir qu'on brûle le plan de travail. Pourquoi on va le brûler ? Non, c'est un reminder à moi-même. Ouais. Note à moi-même, ne brûle pas le plan de travail. Dans les épisodes précédents, c'est une chose qui est arrivée. Tu as brûlé le truc. Ouais, en fait, j'avais fait une trace sur le plan de travail. C'est pour ça que Chérine m'a un peu... Alors. Vanné tout à l'heure. Pousse-toi. Hop. Ça, c'est les crumbles. Donc ça, c'est ton crumble avec tes céréales jaunes. Ouais. C'est pas heureux au niveau visuel. Je suis pas d'accord. Bon, pourquoi pas. Ok. Ça, c'est le mien. La voix. Oh, le bail de la voix, vous avez vu. Eh, vous, dites-moi dans le chat, vous préférez quoi? On voit que c'est une nana qui nettoie, c'est nickel chrome, Valérie. Ok. Voilà. Bah oui, c'est moi qui nettoie, ainsi créé à l'occasion de ce stream. Vous pouvez dire, non, pas du tout. Ah, dis donc, il y a une petite balance, je vais pouvoir voir si j'ai pris du poids. Allez, on y va. Attention, alors. Et ça, on met pas de tambour sur ce genre de vanne. Non, c'est dégueulasse. Il y a du favoritisme ici, c'est dégueulasse. Qui est marmiton officiel? Je vote Eric. Voilà. Pas de favoritisme. Donc, on en est où? Donc, le four, bah, on avait dit 8 minutes. Attends, on avait dit 8 minutes, mais on a lancé un chronomètre. Non, mais c'est à vue de nez. Tu regardes. À vue de nez, tu regardes. Alors, on va quand même checker. Vas-y, est-ce regarde. On a des petites assiettes pour goûter le crumble. Parce que c'est pas tout de cuisiner. Il faut qu'on sache si c'est bon, non? On y va, des petites assiettes. On vous fait goûter, les amis? Vous voulez tous goûter? Le beau gosse, là, derrière les platines, là. Le beau gosse derrière les platines. Sondage, on y va. Attends. Sondage, vous n'avez pas répondu, il est beau gosse ou pas? Il est beau gosse quand même, non? Ouais, quand même. Est-ce que tu peux lancer un sondage, Aurélien, pour savoir si t'es beau gosse? La gêne occasionnée par la phrase est énorme. J'ai lancé un sondage pour savoir qui est le plus beau. Ah d'accord, ok. Wow, bah. Le sondage est inutile. Le sondage est inutile. La meuf odieuse. Alors... Je me permets de faire goûter à l'association AIDS mon crumble. J'ai pas envie d'avoir des problèmes d'intoxication alimentaire. Tu dis ça parce que t'es fâchée. Mais plus du tout, mon chat. Je vais moins goûter ton truc. Les filles, venez donc chercher vos petits crumbles. Non, c'est pas Louis derrière les platines. Hein. Je vais être jaloux, grand nous contact. Il y en aura aussi pour toi. Tiens. Allez, let's go. Est-ce qu'on a d'autres petites assiettes pour Aurélien et Farou? Ok, on y va. On a d'autres petites assiettes qui arrivent tout de suite. On vérifie dans le four que ça se passe. On vérifie comment ça se passe et comment. Ça se passe plutôt pas mal. Hein, regarde. Bah déjà, de toute façon, vu qu'au niveau de la couleur, on était bien. On va laisser encore 2 minutes, mais on va éviter que ça soit cramé. Aurélien, tu veux un peu de mon crumble ou de celui d'Eric? Je veux bien le tien. Merci, mon chat. Oh la voix! En plus, il a fait une voix de lèche-cul. Premier de la classe. Je découvre. Non, mais parce que moi, j'en apprends de plus en plus dans mon équipe. Je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait en arriver là. Merci. Ok, merci. En plus, c'est génial. Tiens, ma petite chérie, je te donne un petit peu de mon crumble. On y va. En tout cas, n'hésitez pas à faire des dons, les amis. C'est dans le chat. Le lien est dans le chat. Tu veux une cuillère, bien sûr. Merci. La voici. La voilà. Tu veux goûter mon crumble, allez? Allez, vas-y, on y va. Alors, est-ce qu'il est bon, mon crumble? On se régale. On se régale. Je peux avoir une assiette, s'il vous plaît? Parce que, attends, on peut avoir deux assiettes? Ouais, regarde-moi. Ils sont tous en train de se baffrer derrière la caméra. Et nous, voilà. Je veux bien un peu de celui d'Eric, ça va, Raphaël. Ah, merci, Raphaël. On est là, on est là. Et n'hésite pas, toque à la porte, on te donne ta part directement. Les amis. Oh, j'ai mis beaucoup de farine sur mes sabots. Ah oui. Pas regarde. Mal. Oui, pas mal. Non, je vous montre parce que j'ai des sabots et on dirait des sabots de trafiquants de drogue. Alors, j'ai fait la coupure. Plata au plomo. Voilà. Bon, j'ai fait la coupure et j'ai mis sur les sabots. Voilà, alors, les sabots de Valérie. Les sabots de l'air. Ah ouais, je tiens à ta vie. Coquet. Et la photo, t'as oublié. Non, mais oui, bah la photo, on va faire... Attends. La photo, t'as oublié, je vais me faire tuer dans... Ça va beaucoup trop vite. Tu y as pensé, mais tu ne m'as pas dit. La photo de quoi? Faut faire une photo. Non, on va faire la photo du moche, c'est pas grave.
Rodrigo. Hey, hey. Voilà. Voilà, en tout cas... Quel crumble est le plus beau? Est-ce qu'on n'a pas encore les résultats? Tu viens juste de lancer le sondage. On y va. Alors, goûtons ce crumble. Allez, on y va. Incroyable. Incroyable, bien incroyable. Sûr, évidemment. Alors, on peut... au niveau croustillance... Les amis, au niveau croustillance, attendez, alors, c'est un peu d'ASMR. Ça. C'est croustillant, ça vous plaît? Très croustillant. C'est magnifique. Vous entendez la croustillance ici, là? Moi, j'entends craquer d'ici. Regardez. Ouais, c'est bon, on entend. Ok, Valérie, t'es sur Insta et Twitch ici. T'es sur Insta? Ouais. Moi, sur Insta, je m'appelle Valou la Gitane. Est-ce que tu peux me donner un élément d'explication? Parce que je t'ai cherché hier. Et pourquoi... En ce moment, je joue un spectacle, d'accord? Je suis un one-man. Si tu vas voir le one-man, tu comprendras. Ok. Voilà, je tease de ouf pour que tout le monde aille voir le spectacle. Mais je m'appelle Valou la Gitane sur Instagram. Voilà, Valou la Gitane, vous allez dessus. Et bim bam boum. En tout cas, les amis... On va faire une story sur Valou la Gitane pour montrer à quel point ce crumble aux céréales. Alors, ça, c'est un crumble fait par Eric. Oui. Avec des cornflakes dedans. Attends, n'importe quoi. Et lequel est le meilleur? C'est le mien. Le vote est truqué, mesdames et messieurs. Je tenais à le dire parce qu'en fait, on a servi que le tien. Donc il n'y a pas d'élément de comparaison. Vous avez tous dit, oh, c'est le tien. Mais il n'y a pas eu d'élément de comparaison. Bien joué l'équipe, ils ont anticipé pour la photo. Ta photo Insta, elle date. Quoi, ma photo Insta, elle date? Tu t'arranges avec Chérine. Hein. Jusqu'à là, Chérine. Là, je pense qu'on est pas mal quand même. Hein. On est bien, tu peux sortir, je pense. Allez. Faut pas oublier quand même, on va mettre un petit dessous de plat. Let's go, alors, c'est délicieux. Ouais, alors, je mets un dessous de plat rapport à pas cramer la table. Voilà. Tout ça. Alors, ces petits croustillants de poulet. Écoute, moi, ça me donne envie. Ça, c'est la sauce. On va dresser quand même tout ça. Comment ça va dresser? Bah on va mettre ça dans une assiette. Ah oui, bien sûr, même. Évidemment. Voilà. On est bien là. Ok, le lien pour le don est là. T'as pas faute de profil, c'était... Voilà, alors là, moi, je vais vous laisser, Chérine et toi, vous allez régler vos comptes. Valérie à 83%. Quel crumble est le plus beau? Voilà, tu as gagné. Merci, mes chéris, merci. Merci. C'est un bad broker. Vous me donnez la force. Regardez-moi ça, c'est beau quand même. C'est joli. Ouais, c'est très joli. Tu fais ça bien, dis donc. Bah ouais, tu vois, je respecte le travail. Ouais, mais que deux par assiette, hein. On va se partager, vous allez goûter. Oui, non, mais je vais faire. Non, alors là, par contre, je vais pas oublier la photo quand même. Le reste, on va. On fait la photo, bien sûr. Attends, je cherche une cuillère pour mettre la petite. La petite sauce. Voilà, on met de la petite sauce dans le ramequin. Les amis, d'après le visuel que vous avez vu, est-ce que c'est une recette, d'après vous, qui peut amener vers un péchotage? Un péchotage, je sais pas si ça un se dit. Péchotage. Un péchotage. Est-ce qu'il y a moyen de pécho? Voilà, allez, on va la faire comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de pécho avec ces deux recettes? Ouais. Bah déjà, c'est des recettes où c'est que des bons ingrédients qui ne sentent pas fort. Bon, là, il y a un chouille d'oignon rouge. Bon. Après, tu manges le crumble aux pommes, donc ça enlève. Ouais, voilà. Normalement, ouais, tu finis bien la soirée. Voilà. Valérie, on aime ta spontanéité. Bah oui, ça, c'est le cas de le dire. Alors, les petits amis, venez me goûter ces petits croustillants. On y va. Voilà. Alors, attends, non, est-ce qu'on peut sortir aussi d'autres assiettes pour... Ou sinon, ouais, une autre assiette pour les croustillants. Ah bah oui, je vous en prie. On va faire. Voilà, et ça, c'est les petits croustillants de poulet coco que j'ai fait. Avec Eric, qui a quand même bien aidé. Il n'arrête pas de manger. Bah si, il n'arrête pas de manger. Il aime bien son crumble. Voilà, on va l'écouter. Sympa ce stream pour apprendre à pécho. Ouais, c'est aussi sympa pour avoir des informations sur ce qui se passe quand même. Ah, ce qui se passe, et puis enlever... Pour la prévention, et enlever aussi toutes les idées préconçues. Qu'on a habituellement, parce que j'avoue que j'ai traîné quand même sur internet pour construire mon quiz et j'ai vu des choses. Franchement, le délire de la double capote, c'est pas moi qui l'ai inventé et je conçois que ça peut choquer les gens.
Évidemment, ça choque les gens. Qui se disent, bah ouais, tu mets une double protection. Donc, et surtout, ne faites pas ça chez vous. Alors, allez prendre les informations sur le site de AIDS. AIDS qui est le site pour lequel nous faisons cette émission. Les appels aux dons sont disponibles là directement. Boum, vous cliquez sur le lien et vous êtes capable de faire le don. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, attention. Tu fais la photo ? Je fais la photo. Moi, ça, c'est bon. OK. Il faut quand même se renseigner, c'est la personne qu'on veut pécho est génétiquement compatible avec la coriandre. Alors, j'aime mieux te dire que si la personne que tu veux pécho n'est pas compatible avec la coriandre, change de date. Mais non. Car la coriandre, c'est la vie. Si tu n'aimes pas la coriandre, tu ne mérites pas d'avoir un date. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. La coriandre... Avec toi, peut-être. Non, avec tout le monde. Non, je te trouve un peu dur. Aimer la coriandre, c'est aimer le goût, c'est aimer la vie. Le voyage, c'est aimer l'amour, c'est faire l'amour, c'est tout, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la team coriandre se prononce? Ouais, prononcez-vous, team coriandre, les amis. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Ok, donc on y va. Voilà. C'est pas mal du tout. Elle est dure quand même. Trempe ton bâton. Je trempe mon bâton. Ça, ouais. Titre. D'accord. Je trempe mon bâton. Vas-y. Et dis-moi si tu aimes. Trempe ton bâton et dis-moi si tu aimes. Double titre. Double titre. Ouais, là, on est sur. En tout cas, c'est chaud. Mais bien sûr, Farah, quand la personne n'aime pas la coriandre, il faut rompre immédiatement sans réfléchir, évidemment, mais Farah. Attends, mais non, tu peux pas dire ça, ok. Mais bien sûr que c'est la raison, Farah, c'est tout. Donc, on est sur du croustillant et sur de la sauce, on est sur du bon. Merci à toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon ou pas? Ouais, c'est génial. Non, mais dis-le vraiment. Bah, je le dis vraiment. Non, mais... Quoi, tu veux que je surjoue? Non, c'est vrai, c'est super bon. Ah, mais super. En fait, la noix de coco, là, moi, je kiffe. Après... Non, c'est même pas sucré salé, en fait. C'est ça qui est cool. Non, parce que j'ai pas trop mis de... Ouais. En fait, dans la recette, on a mis de la noix de coco râpée non sucrée. Ouais, et c'est meilleur. Du coup... Et la petite sauce lait de coco, coriandre et petit oignon rouge avec sauce soja sucrée. Ah, mais la petite sauce lait de coco. Ça ramène le petit peps. C'est validé. Il faut finir le live avec 500 euros au moins. Bah ouais. Ouais, bah là, le stream perd en fluidité parfois. Ah oui, au niveau de l'image, tu veux dire? Ah. Ouais, ça lag un peu, on en est désolé, je sais pas, ça doit être... C'est la faute à la coriandre. La faute à la coriandre, à ceux qui n'aiment pas la coriandre peut-être. Venez goûter les petits cocos. Venez tremper les bâtons de coco. Vous allez nous dire si ça vous plaît. Parce que c'est quand même en l'honneur de votre association qu'on fait ça. Ah ouais. Donc, j'aimerais quand même être validée par l'asso. Ouais. Ah mais ça y est, là tu nous as eu avec le crème. Ouais, mais d'accord, mais j'aimerais bien vous avoir complètement. Vous prenez l'assiette, c'est pour les photos. Ça y est, les affaires. Non, oui. Pardon. C'est pour la photo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Let's go, ouais. Vous pouvez y aller. Merci. Tu l'as fait la photo? J'ai fait la photo. Ah bon, donc tu l'as. J'ai fait la vidéo. Aurélien, j'aimerais bien que tu me dises si tu aimes mes bâtons de coco. Est-ce que t'as trempé ton bâton? Trempe ton bâton, Aurélien, s'il te plaît. Trempe ton bâton, Aurélien. Et dis-moi si t'aimes ça. Fais gaffe, c'est chaud. C'est bon. C'est meilleur quand c'est chaud. C'est trop bon. C'est trop bon. Eh, elle est bonne celle-là. Les amis, on a fini les recettes là? Bah ouais. Bah non, bébé. Yeah. Allez. Ça c'est bon, les amis. Et en 1h58 et 59 secondes, on est dans les temps. On est hyper fort. Franchement, on peut applaudir. Ouais, les amis, on arrive bientôt à la fin du live. Aurélien, j'ai pas entendu là. On veut. C'est excellent. Les filles. Valérie Péchaud, Aurélien, avec des bâtons de poulet coco à la coriandre. Ouais, c'est validé. Alors les amis, n'hésitez pas à faire des dons. Là, on est sur la dernière ligne droite avant de rendre. On y va, on fait des dons. Le lien est dans le chat. On est sur un live spécial. J'ai envie de manger quand même. On y va. Ah, c'est très très bon. Un plat, un dessert en moins de 2 heures, faut le faire. Ouais, quand même. Mais j'étais bien accompagné. Hein. Le gars est fort. Le gars est très fort. Cœur sur vous, les amis. Continuez de donner. On y va. Dites à vos copains et tout de donner. C'est bien. Même 1 euro. Hein. C'est le moment. Franchement, c'est très bon. Je vais quand même goûter mon crumble. Je vais prendre une photo avant.
franchement, c'est bon. Ah, tu vas prendre une photo de ton crumble? Bah ouais, parce que vous l'avez dévasté, l'autre. Vous avez même pas attendu. Nous n'avons pas attendu, il était tellement bon. T'étais tellement en train de le vendre que, genre, tu m'as pas laissé le temps de... Mon crumble était tellement délicieux que tout le monde l'a mangé. En même temps, tu n'as servi que celui-là. Alors que le tien, tu vas pouvoir le ramener chez toi, tu le donneras à Odette. Maman, des bisous. Des bisous, bien sûr. Attends. Puis ma mère, elle revient de voyage, rien à voir. Enfin bon, je vais pas raconter ma life. On y va. N'hésitez pas à faire des dons, les amis. Continuez. Miam, 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 miam. Bah oui, c'est délicieux, bien sûr, en effet. Attends, faut pas déconner. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une note sur... allez, de 1 à 10, et il y a un niveau de croustillance. Vous pensez qu'on a atteint quel niveau avec cette recette? Et de 1 à 10, combien vous donnez... Quelle est la note que vous donnez pour pécho avec les recettes qu'on a fait? Toi, tu donnerais combien par rapport à ce que tu as goûté? À la croustillance? Ouais, par rapport à la croustillance. 8. Un bon 8. Ouais. C'est validé. Un bon 8. 10 et 10 sur 10, 10, 7, j'ai l'impression d'être dans l'émission de Jacques Martin. Tout le monde aime les pancartes, 10 les sur 10. Les enfants sont magnifiques. Les enfants sont formidables. Ok, on y va, 10, 10, bah, c'est à carton plein. C'est à carton plein pour cette émission, ça fait plaisir les amis. On était en compagnie de... On est en compagnie. Merci, hein. Merci franchement, beaucoup. Hein. Tu reviens quand tu veux. Hein. Je reviens quand je veux. Ah oui, tu reviens quand tu veux, ça c'est sûr. Je serai là demain matin. Je vais dormir là sur le canapé. Ouais, voilà, ouais, il y a de la place et tout ça. Le gars va pas dormir de la nuit en mode tremblement. Je veux qu'elle rentre. Donc c'était un live qui était spécial à l'occasion de l'événement Faites l'amour. Donc un événement qui a lieu chaque année pour dire oui à l'amour et non au sida. Un live solidaire pour l'association AIDS. Alors l'association AIDS, c'est l'association de lutte contre le sida, VIH et les hépatites virales en France. Vous pouvez faire les dons encore pendant quelques minutes. Allez, on va encore grappiller quelques instants pour faire des dons justement sur le lien qui est dans le chat. Et puis on est bon. Et puis on est, et puis on est très bon et on est tellement content d'avoir cuisiné ensemble. Ouais, franchement, et ça c'est beau. Merci ça... à toi. Écoute, non mais franchement. Non mais vraiment, franchement, je te jure, c'était cool. Écoute, ça me va droit au cœur. Surtout que moi je suis quand même fan. J'étais un peu en groupe qui pendant tout le live, voilà. Cœur sur cette émission. C'est trop chouette, bravo à toute l'équipe. Bravo Ed, bah ouais. Mais on bravo Ed d'être là depuis toujours. Ouais, en vrai, super émission. Vraiment, parce qu'il n'y aurait pas AIDS. On sait qu'on ne peut pas compter sur les gouvernements et sur les associations. Waouh. Bah, c'est la vérité. Waouh, waouh. Il n'y aurait pas AIDS. Sérieusement, ça tire à balles réelles, mais c'est la vérité. Sans AIDS, il n'y aurait jamais eu autant d'avancées dans la façon d'accueillir les gens qui ont le virus du... Hein, voilà. Voilà. En tout cas, merci AIDS d'être là depuis toujours, depuis le début. Et voilà, merci à vous. Merci, cœur sur vous, cœur sur AIDS. Bravo Aurélien d'avoir animé aussi le live, oui, ça fait plaisir. Aurélien, la prochaine fois, tu prends un mic quand même. Hein. Aurélien, il est vachement... Ouais, il est dans la... C'est niveau au-dessus, quoi. Tu vois, genre, c'est pour ça, mais silencieux. Beaucoup... C'est hyper intérieur. Ouais, c'est intérieur. C'est un truc qui... Voilà. Mais il est là, c'est l'ami du cœur. Et ça, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, on continue l'aventure pendant toute la semaine. Hein. Bon, vendredi, on est là pour un nouveau rendez-vous Ed. En tout cas, mercredi... Non, là, on est mercredi. Demain, il y a un live aussi, chit-chat, de 18h à 20h. On sera en compagnie... Olivier qui a joué dans Drôle sur Netflix. Je sais pas si t'as vu cette série. J'ai tellement vu cette série. Elle défonce. Il va nous parler un peu de la série, de ses projets. On va manger en mode apéro et ça, ça va être le feu. Et vendredi, on enchaîne directement avec un nouveau rendez-vous. Mais alors là, ça va être un recette challenge. On sera en compagnie de Gwendal. C'est un live Heads. Et là, ça va être le feu. Recette challenge, c'est la roue et tout ça. Ça va être le bordel aussi. Soyez au rendez-vous. Comment ça aussi? Bah, c'était le bordel un peu. Ok. je me suis fait dominer. Ah, attends, non, mais c'est n'importe quoi. Ok, c'est reparti en miskinou. Non, t'as bien géré. Non, franchement, t'as super bien géré. En fait, dans le temps imparti, t'as relevé le défi au niveau de la croustillance. C'est validé de A à Z. Je vais quand même goûter mon crumble, histoire d'eux. Et en tout cas, bah voilà, moi, je vous dis... Je vous souhaite une bonne soirée, les amis, soyez heureux, soyez gourmands. On continue les dons tout au long de la semaine parce que le lien
L'association, on peut toujours faire des dons dessus, c'est pas un problème. Et on se retrouve vendredi. Et on continue de se protéger. C'est le bordel qu'on aime. Ouais, voilà. Et on continue de se protéger, pas que l'été, tout le temps, les amis. Les informations sont sur le site AIDS. Chef Eric, fais un gros câlin à Valérie, s'il te plaît. Je la kiffe trop. Allez, câlin, hug, ça fait plaisir, ça. Ça, et je pensais pas que je ferais un câlin à Valérie David. Tu veux que je fasse le chant au pirate ou le chant de New York? Ah, voilà. Faudra qu'on maroufle un jour quand même. Ouais, on va maroufler. Les amis, soyez heureux, soyez gourmands. Moi, je vous dis à demain de 18h à 20h. Et voilà, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde, merci à tous pour les dons. Et on continue toute la semaine. Ouais. Ciao, ciao, merci.